Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver à la maison de notre Père. À lui seul soit la gloire pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore ce matin. C'est pourquoi nous venons avec des cœurs bien disposés pour le louer, le glorifier encore et l'adorer. Je vous transmets les salutations de tous nos frères et sœurs. Notre frère Mandan de Bondoukou nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre sœur Carole de Canada, notre frère Daniel Diner de Jemap nous salue également. Notre sœur Lily et notre frère Philippe d'Espagne nous salue également. Notre frère Koulibaly ainsi que notre sœur Odile d'Espagne nous salue également. Notre frère Alain de Johannesburg en Afrique du Sud nous salue. Notre frère Thomas de Bilbao nous salue également dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'oublie pas notre sœur Brigitte qui nous salue également. Notre sœur Esther de Blois ainsi que toute sa maison et notre frère Richie de Blois également nous salue. Que le Seigneur nous bénisse tous. J'ai également ici les remerciements de notre frère Arnaud. Il dit bonsoir pasteur. Enfin oui, je viens vous informer que je suis bien arrivé en France par la grâce du Seigneur, comptant sur vos prières afin que le Seigneur permette que je sois à Bruxelles afin de communier. Transmettez donc salutations à tous les frères et sœurs de l'Assemblée de Bruxelles dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit réellement béni pour ce qu'il fait pour notre frère. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Jésus, nous te trouvons. Cela notre prière ce matin, notre Père. Nous voulons vraiment t'exalter ce matin, notre Dieu. Nous voulons vraiment élever ton saint nom au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment t'adorer ce matin. Nous voulons te louer, notre Dieu, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de sauveur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul éternel, le seul nom que le Père nous a montré dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous pouvions être sauvés. Seul le nom de Jésus. Ce nom qui est le plus beau parmi les milliers, mon Sauveur. Ce nom qui nous donne le salut. Ce nom qui nous donne la liberté. Ce nom qui nous donne la délivrance. Ce nom qui nous donne la guérison, oh Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison encore ce matin. Oh, notre Père et notre Dieu, nous abandonnons de tes mains, Seigneur. Nous sommes venus fatigués, mais c'est toi qui nous restaures. Nous sommes venus malades, mais c'est toi qui nous guéris. Oh, notre Père, nous voulons vraiment crier à toi. Nous voulons toucher le bord de ton vêtement ce matin. C'est toi que nous voulons rencontrer, notre Dieu. Oh, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent te rencontrer dans ta puissance de la résurrection, oh Dieu. Tiens-nous par ta main, Seigneur. Bénis-nous encore ce jour éternel. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons rencontrer. C'est toi que nous voulons toucher. Et c'est toi que nous voulons entendre, Père. Viens nous parler, Seigneur. Tu connais le fond de nos cœurs. Tu connais nos besoins. Tu connais nos inquiétudes. Tu connais notre état, Seigneur. C'est pourquoi nous crions à toi, notre Père. Viens nous tenir par ta main. Fais nous visiter, oh Dieu. Viens, Seigneur, nous tenir, oh Dieu. Fais nous faire du bien encore ce matin. Nous voulons nous décharger sous toi de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, de toutes nos peines, Seigneur. Dès que nous sommes venus, ne permets pas que nous puissions ressortir, mon Père. Que nos vies soient changées. Oh, à l'instar de la parole que nous avons entendue le jeudi, Seigneur. Que nos vies soient donc secouées.
Secoue-nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, oh Dieu. Viens, Seigneur, nous faire tout faire du cœur. Accorde-nous vraiment ta visitation. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit rempli. Que ton peuple soit transformé. Que ton peuple soit visité. Que le Dieu très haut vienne vraiment nous faire du bien ce matin. Merci pour la parole qui t'a chanté. Bénis chaque frère et chaque soeur, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour la visitation que tu vas encore nous accorder ce jour éternel. Bénis notre frère Jackie, Seigneur. Visite ce matin, Seigneur, accompagné de l'idée, mon Père. Que tes bénédictions leur soient aussi accordées, mon Dieu. Bénis mon frère Ile-de-France. Bénis mon frère Rosario. Bénis ce frère dans le service, mon Dieu. À toi seul, nous nous abandonnons. Seigneur, nous recommandons ton serviteur, notre pasteur aussi entre tes mains. Tiens-le dans le creux de ta main, Seigneur. Qu'il soit simplement un instrument dans ta main, oh Dieu. Utilise-le comme tu le veux. Pour le bien de ton peuple, mon Sauveur, nous sommes venus nombreux ce matin pour t'écouter nous parler, Seigneur. Prends le contrôle, ô Dieu vivant. Manifeste-toi, Seigneur. Viens, Seigneur, manifester et confirmer la parole de ton envoyé, mon Sauveur. Nous te remettons, nos frères et sœurs, qui sont aussi en connexion Internet ce matin, qui nous suivent aussi, notre Dieu, en ligne. Puisses-tu les bénir et les visiter aussi, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis les chants et les cantiques, mon Père. Je me remets aussi entre tes mains, ô Dieu. J'aime quand ta grâce et ta miséricorde. Ô Dieu, que ton Saint-Esprit me conduise. Le guide de l'Éternel, que l'onction soit sur chacun de nous, et même si les instruments disent mon Père, que tout prenne le contrôle et que tu domines tout, Seigneur. C'est pourquoi par la puissance que tu nous as donnée, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prenons autorité, Seigneur, sur tout esprit qui n'est pas de toi, et nous le chassons de ce lieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dominons seul, Maître, Seigneur, Père, prends le contrôle de tout éternel, conduis toute chose, mon Sauveur, pour la seule gloire de ton nom. À toi seul, c'est la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Merci pour ta présence. Conduis toutes choses, oh Dieu. À toi seul, seul, à gloire à jamais. En ton nom, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, au nom. À Dieu soit la gloire. 305. Le 305 vers les femmes et si le Seigneur permet, le 149. 305 et 149.
faire un témoignage à Dieu pour la guérison de ma surdité brusque. C'est notre sœur Bibi. Viens rendre ton témoignage, ma sœur. Et juste avant de sortir, j'ai eu l'impression, j'ai senti comme si quelque chose était rentré dans l'oreille. Alors, je fais ça, j'étais en train de parler avec ma fille, alors je me dis, tiens, on dirait qu'il y a une mouche qui est rentrée dans mon oreille. Alors, j'essayais de faire ça, ça ne partait pas, et puis il y avait un gros de bruit au fond. Et puis je lui ai dit, ah non, ça c'est le diable, mais moi je vais quand même à l'assemblée. Je suis sortie, je suis venue au culte. Et en rentrant à la maison, je suis arrivée, elle n'était pas là, elle était sortie. Et du coup, j'ai senti que ça commençait à bourdonner fort, ça faisait « dans l'oreille. Je ne savais plus me tenir debout, je ne savais plus marcher, j'étais titubée et je n'entendais plus rien. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Tu es où ?» Elle me dit « Attends, je suis avec mes amis. » Elle me dit « Non, 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 rentre tout de suite, tu dois m'accompagner à l'hôpital. » Elle me dit « Mais pourquoi ?» Je lui ai dit « Écoute, rentre. » Je te demande de rentrer, c'est urgent. Et puis, je suis restée, j'ai prié. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, je n'entends rien et je ne sais plus me tenir. Donc, comme l'hôpital moderne n'est pas loin, elle m'a tenue, elle m'a dit, viens, on va marcher. Mais je ne savais vraiment pas marcher, je marchais comme ça, je titubais, ça n'allait pas. On est arrivé aux urgences, ils ont regardé, ils m'ont mis dans une salle. Ils m'ont dit, écoutez madame, on ne sait vraiment rien faire, on ne peut rien vous donner, on va vous donner des médicaments pour calmer, et vous devez vite prendre rendez-vous avec un ORL. Donc, le lendemain, donc je suis restée aux urgences pendant un temps, ils m'ont gardée, et puis après ils m'ont prescrit des médicaments. Je suis rentrée à la maison avec ma fille, donc on a pris rendez-vous le lendemain en ORL et tout. Et c'était une semaine après. Entre-temps, je prenais les médicaments qu'on m'avait prescrits. On m'a dit que c'était très fort, donc il fallait prendre juste 4 comprimés, pas plus. Je suis allée voir l'ORL. Non, je crois qu'après, le rendez-vous était une semaine après. Donc, je suis venue ici, j'ai demandé au frère Léonard s'il pouvait prier pour moi. Il a prié. Et quelques jours après, je pense, je suis passée chez l'ORL et l'ORL m'a regardée, m'a dit « Madame, je ne peux rien vous dire, c'est une surdité brusque, ça arrive. » Alors, moi, je ne comprenais pas, je lui dis « Mais expliquez-moi, ça arrive suite à quoi, j'aimerais bien comprendre. » Et lui-même, il a rigolé, il m'a dit « Je ne sais pas vous expliquer, il y a des cas où ça arrive comme ça. » Il y a des cas où ça arrive suite à un problème, par exemple les militaires quand ils vont en guerre, les coups de fusil, tout ça. Et puis je lui dis, vous-même vous ne savez pas expliquer, moi je ne comprends rien. Et puis il me dit, écoutez, le seul médicament qu'on peut vous donner c'est la cortisone. Donc on m'a mis sous cortisone pendant un temps et il m'a donné des comprimés pour aérer la tête, quoi, pour essayer de... Il m'a dit, le sang doit bien circuler, c'est surtout ça. Bon, j'ai compris après parce qu'on m'a expliqué que parfois ça arrive quand tu fais un caillot de sang, thrombose, tout ça, tu peux faire aussi une surdité. Donc, il m'a prescrit ça pendant quelques temps, je crois que ça fait plus ou moins un mois. Un mois après, je suis retournée, la surdité était de 70%. Donc, du coup, j'ai récupéré 10%. Il m'a dit, c'est bien, mais bon, c'est pas suffisant, je ne peux plus continuer à vous donner de la cortisone. Donc, en principe, on n'a plus de médicaments. Mais la dernière chose que je peux faire, c'est vous envoyer à l'hôpital militaire. Ils font de l'oxygénothérapie. Ce n'est pas obligatoire, mais avec l'oxygène, vous pouvez récupérer une grande partie. Quand je suis arrivée à l'hôpital militaire, les militaires m'ont dit, bon, c'est ça le problème avec les civils, ils ont un problème, ils veulent soigner, ils veulent donner de la cortisone au lieu de nous envoyer directement les patients. Donc on va vous faire ce traitement, mais pour nous c'est déjà trop tard,
normalement, on doit vous envoyer, dès qu'ils constatent qu'il y a une surdité, vous envoyez. Donc je suis allée à l'hôpital militaire pendant 15 jours. Chaque jour, je devais aller pour aller dans les caissons pour faire ce traitement. Et je l'ai fait, j'ai récupéré une petite partie, mais une partie qui n'était toujours pas récupérée. Donc je suis retournée chez le médecin m'a dit, écoutez, franchement, maintenant, on laisse faire le temps. Puis moi, je lui dis, ah bon. Il me dit, oui, on laisse faire le temps, il n'y a plus de médicaments, on ne peut pas donner, on ne peut plus continuer à donner de la cortisone suite à ça. Mais par contre, c'est que je vais vous conseiller, il y avait des médicaments à base de plantes. Sur le plan médical, ça ne va pas, mais ça peut vous faire du bien. Donc, il m'a donné un médicament pour plus ou moins dégager tout ce qui était... parce que j'ai souvent des problèmes d'allergie aussi. Ça fait que quand tu es un peu bouché, ça peut provoquer autre chose et tout et tout. Il m'a donné ça pendant quelques temps et ça s'est arrêté. Je suis retournée. Donc, je faisais des va-et-vient. Mais par la grâce de Dieu, il y a quelques jours, quand je suis retournée chez lui, on m'a fait des examens d'audition et tout et tout. Et là, il est sorti, il m'a dit, c'est bon pour nous, tout est en ordre. Vous avez tout récupéré. Donc, voilà. Donc, je ne voulais pas rendre le témoignage avant, parce que je me disais, je vais être sûre que tout est en ordre. Je remercie le Seigneur. Et je remercie aussi le frère Léonard. Amen. 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 Sur leur casque. Bonjour frère et soeur. Bonjour. Je voudrais rendre un petit témoignage pour la gloire de Dieu, pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis reconnaissante au Seigneur parce qu'il fait beaucoup de choses pour moi, même des choses que je t'avais demandé avant, que je suis en train de voir ces choses-là s'accomplir. En fait, j'avais une situation à l'école pendant que je passais mes examens. J'avais 3 examens à repasser, dont un j'avais réussi avec un 15 sur 20, mais je devrais repasser cet examen parce qu'il est en regroupement avec les 2 autres. Et c'était la base, en fait, des études infirmières. Et donc, l'examen c'était lundi, et moi, les 3 examens c'était à passer lundi, pardon. Et moi, je suis en train d'étudier samedi, et quelque chose me dit, regarde encore ton horaire pour voir un peu l'ordre du passage des 3 examens. Et j'ai allumé mon téléphone, puisque j'avais mon horaire dans mon téléphone, pour voir, je vois 2 examens, je ne vois pas un examen. Je fais, comment ça se fait que je ne vois pas un examen? Parce qu'ils sont toujours tous les 3, le même jour, toujours ensemble, c'est un regroupement. Je ne voyais pas et j'ai commencé à paniquer. Et je remonte un peu pour voir les horaires du jour d'avant. Et je vois en fait l'examen était vendredi. Donc on était samedi et donc je n'avais pas passé mon examen. Je ne m'étais pas présentée à l'examen. Et j'ai commencé à paniquer. Tellement que je paniquais, j'ai commencé à pleurer parce que je ne savais pas ce que je devais faire. Et je me disais, bah, c'est sûr que je vais rater mon année avec tout ce que j'ai fait. C'est sûr que c'est mort pour moi. Et puis, j'ai appelé une collègue de ma classe pour être sûre que c'était bien vendredi. Elle me dit, oui, on a fait l'examen vendredi. Moi, j'étais, non, j'étais pas là, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était lundi et je me préparais, en fait, pour passer l'examen lundi. Du coup, j'étais tellement paniquée que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? La première pensée qui m'est venue, je me suis dit, bon, je vais quand même appeler le Ralona pour demander, comme il me suit dans mes études, il me dit souvent qu'est-ce que je dois faire là, quand il y a une situation. Ben, j'ai dit, je vais l'appeler, comme ça je vais voir un peu, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire au professeur ou à l'école, je vais arriver, je vais dire, j'ai oublié mon examen, ils ne vont pas me prendre au sérieux, ils vont me dire, oui, peut-être que tu n'étais pas prête pour passer ton examen. En fait, je ne savais tellement pas qu'est-ce que je vais faire que je me suis dit, bon, je vais l'appeler, sûrement, ça va aller, je ne sais pas. Et j'ai essayé d'appeler, j'ai appelé ma mariée pour demander comment je peux faire pour les gens. Elle me dit, je te dis simplement de laisser un message. Et si, quand il aura ton message, il va te rappeler. Et comme moi, j'ai dit, c'est vraiment urgent. S'il t'appelle, tu peux lui dire juste de m'appeler, s'il te plaît. Elle m'a dit oui. Mais j'étais tellement inquiète. Après, j'ai coupé le téléphone. D'abord, avant de couper ma mariée, elle m'a dit, Dorcas, ça va? Je fais oui, ça va. Elle me dit, t'es sûre que ça va? Je fais oui, ça va, mais j'allais pas du tout bien. Et j'ai rapproché avec elle.
Elle me rappelle encore, elle me dit, t'es sûre que ça va? Je fais, oui, oui, ça va aller. Je lui dis ça. Et puis, je me suis mise à genoux, je commençais à prier, je fais, Seigneur, fais quelque chose. Et envoie-moi un signe, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais fais quelque chose pour moi, là. Et après, j'ai prié comme ça, je me suis remise à étudier. Je n'arrivais pas à étudier, il n'y avait rien qui rentrait dans ma tête. Les deux autres matières, ça ne rentrait pas. Je ne sais pas, mais j'étais tellement bloquée sur ces problèmes que rien ne rentrait dans ma tête. Et j'essayais de changer de place, de me déplacer, d'aller me mettre dans la cuisine, parce que j'étais au salon, ça n'allait pas. Tellement que je voyais l'heure s'avancer, j'avais examen lundi, on était samedi, je voyais que ça ne rentrait pas, ça me stressait encore plus. Et après ça, je me suis dit, bon, je veux quand même aller au jardin m'asseoir pour essayer un peu de m'aérer la tête. Peut-être que j'ai tellement trop étudié pendant ces jours, comme je travaille aussi en même temps, ça va peut-être aller mieux, je vais un peu prendre l'air. Je me suis assise au jardin chez nous à la maison et j'étais toute seule. Mes parents, ils étaient en retraite pendant 3 jours. J'étais toute seule à la maison et je me suis assise au jardin pour essayer un peu. J'ai pris aussi mes cours avec moi. Pour pouvoir voir si ça allait mieux entrer avec l'air, tout ça. Alors, ça n'entrait pas. Je me suis assise sur la chaise et une pensée me vient. J'ai fait, Seigneur, je suis comme la tsunamite, où est ton ailier? J'ai juste dit ça. J'ai fait, Seigneur, j'ai répété ça. Je suis comme la tsunamite, envoie-moi ton ailier. Et puis, je suis retournée à la maison. J'ai parlé avec Imelda. Je fais, ah, tiens, j'ai un problème, regarde. Mon problème, il est là. Il me fait, non, ça va aller et tout. On va prier le Seigneur. Essaye d'étudier encore. Je fais, j'arrive pas à étudier. Même si j'étudie, il n'y a rien qui rentre dans ma tête. C'est comme si quelque chose est bloqué dans ma tête. Ça ne rentre pas. Et ça me stresse encore plus, ça. Et puis ça, j'ai prié le soir. J'ai arrêté d'étudier parce que rien ne rentrait. Je me suis endormie le soir. J'ai prié le Seigneur. Je me suis endormie. Et on était dimanche. Je suis venue ici à l'Assemblée. J'étais à la salle, j'ai prié, je restais là. Je restais là pendant que la chorale chantait. Et je vois un frère Jacques qui vient m'appeler. Je pensais sûrement qu'il m'appelait pour aller faire quelque chose en bas ou je ne sais quoi. Il me dit, tu dois descendre tout de suite, maintenant tu dois descendre. Je fais d'accord. Je descends comme ça et il me dit, t'attends ici maintenant. Et puis j'attends, je vois ma mère qui vient passer le téléphone, comme quoi les pasteurs l'ont appelé. Et il voulait me parler absolument. Et donc, j'ai parlé avec lui et puis je lui ai expliqué un peu mon problème. J'ai fait, voilà, je me suis trompée des jours d'examen. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire à ma femme. Il me dit, ben, de toute façon, tu ne vas pas dire autre chose parce que tu n'étais ni malade, ni rien. Tu vas juste dire, madame, j'ai oublié mon examen. Je suis d'accord. Et puis, ça a coupé. Il m'a juste dit ça et ça a coupé, je ne l'entendais plus. Et j'ai dit à ma mère, le téléphone a coupé. Et puis, elle me dit, attends, il va rappeler. J'ai attendu, il ne rappelait pas, alors je suis remontée. Et le lendemain, ben, j'ai prié et je suis partie voir la prof. Donc j'ai passé mes examens, j'ai attendu les derniers examens, je suis partie la voir parce qu'elle surveillait dans une autre salle. Je l'avais demandé si je pourrais la voir dans son bureau, elle me dit « ok, il n'y a pas de problème ». J'arrive devant le bureau, j'attends, il y avait juste une élève de deuxième qui était là en train de pleurer parce qu'elle avait raté son année à cause de cette prof en plus. Elle suppliait la prof de repasser l'examen. La prof, elle ne voulait pas. Elle a dit, non, je fais, Seigneur, moi, c'est encore pire que elle. Je ne sais pas, là, qu'est-ce que je vais faire. Je crois que si elle n'a pas mon problème, moi, c'est encore pire que elle. Et quelque chose me disait quand même d'avoir la foi comme ça. Et je suis partie. J'ai fait, écoutez, madame, je vais être honnête avec vous. J'ai oublié, en fait. Pour moi, je pensais que l'examen, c'était aujourd'hui, lundi. Et or que c'était vendredi. Et je me suis trompée, en fait, du jour. Est-ce que vous pouvez me faire repasser l'examen? Elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Je fais pardon. Elle me dit oui, oui, il n'y a pas de problème pour moi. Mais le seul problème est que tu dois faire une demande officielle chez la directrice parce que je ne sais pas prendre une décision comme ça de faire juste repasser l'examen à toi. Il y a aussi une autre élève qui était malade qui m'a demandé. J'ai dit oui, mais je ne peux pas faire comme ça pour toi. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien et tout ça. Je fais d'accord et je suis montée à la bibliothèque de l'école. J'ai pris une feuille et un bic. J'ai commencé à rédiger une lettre de demande à la directrice comme quoi voilà mon problème, voilà que j'ai oublié de passer mon examen, tout ça. J'ai été voir ma prof pour demander, elle était d'accord, maintenant il me faut votre autorisation. J'ai rédigé la lettre et puis j'ai envoyé la lettre au frère Gislain parce que je l'avais d'abord demandé à lui dimanche. J'ai fait, si on oublie de passer un examen,
qu'est-ce qui c'est grave. Il nous dit oui, mais ça arrive que ça arrive que les élèves oublient leur examen. Et après je fais oui parce que c'est mon cas en fait. Et là je crois qu'il est resté comme ça un peu silencieux et puis il m'a dit ok. Et puis il a dit on va prier, le Seigneur va agir parce que le Seigneur il connaît toutes choses. Je fais ok. On a prié. Et j'ai rédigé ma lettre, je lui ai envoyé ma lettre, et il a fait quelques modifications. J'étais toujours à l'école, à la bibliothèque. Et après, j'ai envoyé à ma mariette ma lettre pour finaliser, pour comme elle est professeure, pour voir un peu, pour m'aider un peu dans la lettre, tout ça. Et elle a fait tout ce qu'il y avait, les finitions, tout ça. Elle a elle a concrétisé la lettre. Et elle me l'a re-envoyée. Donc, je suis restée à l'école ce jour-là. Pendant, je pense, 3 heures, j'attendais, j'envoyais par ma lettre, Fragisla, il me retournait, j'envoyais à ma mariette jusqu'à ce qu'elle m'a envoyé. Et ces jours-là, j'étais sortie, j'avais même pas pris d'argent parce que j'étais partie directement aller en examen. J'ai même pas pris d'argent, j'avais juste pris mes affaires, je suis sortie passer mes 2 examens. Alors, j'avais pas d'argent, je me suis dit, bon, d'accord, maintenant je vais imprimer la lettre. Mais chez nous, à l'école, tu peux jamais imprimer avec de l'argent, on achète des cartes de 3 euros et quelques. Et avec ça, tu passes à la machine va imprimer. J'avais rien du tout. Et j'ai demandé au monsieur de la bibliothèque, j'ai fait, monsieur, je peux imprimer. On ne fait pas ça, Dorcas, tu le sais, mais exceptionnellement, aujourd'hui, je vais le faire. Et il me proposait même une enveloppe. Et dans mon cœur, il y a une parole qui m'est venue, j'ai fait, quand l'Éternel approuve les voies des hommes, il dispose toutes choses. Quand j'ai vu ça, je voyais vraiment la main de Dieu qui m'ouvrait le chemin comme ça devant moi. J'ai envoyé la lettre à ma directrice. Par mail et j'ai imprimé la lettre, je suis descendue donner au secrétariat au cas où qu'ils remettent à la directrice tout ça. Et après, je rentrais à la maison, j'avais tellement mal à la tête, j'ai pensé à ça avec mes examens, j'étais tellement pas bien que j'avais trop la migraine, j'avais mal à la tête, j'avais des rires à personne, même pas à la maison. Je me disais, si je vais, de toute façon, je suis face à ces problèmes, il n'y a que le Seigneur. Et si je dis ça à mes parents, ça ne va pas m'aider du tout parce qu'ils seront inquiets, peut-être. Enfin, ça ne va pas m'aider pour l'instant, je veux me réfugier chez les seigneurs. Et je suis rentrée à la maison, et j'arrive à la maison, comme ça j'ai parlé avec mes tantes ce soir. Je fais, ouais, elle me dit, ça va. J'ai fait, oui, ça va, mais je ne me sens pas très bien. Elle me fait, non, repose-toi, parce que de toute façon, c'est encore, tu ne peux pas faire au-delà. Je fais, non, je vais étudier comme si je vais passer cet examen demain. Je sais que je vais passer, et je vais mettre les seigneurs à l'épreuve, je vais passer cet examen demain. Je serai prête, peu importe la réponse. J'ai étudié, j'étais tellement pas bien que je me suis endormie. Je me suis endormie et le matin, je me suis réveillée vers 11h comme ça. Je me suis réveillée et j'ai prié. Maintenant, j'étais sur mon lit et quelque chose m'a dit, appelle l'école. J'ai appelé l'école, j'ai fait oui. Hier, j'avais déposé une lettre chez la directrice pour demander l'autorisation de passer mon examen. Alors, est-ce qu'il y a une réponse pour me faire? Ah oui, mademoiselle Anonka, vous allez venir tout de suite, vous allez passer l'examen à 13h. Elle a accepté tout, venez. J'ai fait oui, je viens. Et puis elle me dit oui, vous ne tardez pas, venez tout de suite. Je suis encore remise à genoux, j'ai remercié le Seigneur. J'ai pris le chemin pour aller à l'école, j'ai étudié tout mon cours. Déjà, je connaissais ce cours-là avant, mais j'ai étudié encore plus, même des choses que je n'avais pas étudiées, mais bon, quelque chose me disait je ne sais pas, étudie seulement tout ça. Je suis arrivée, il y a l'élève qui était malade qui est parti passer son examen. Moi, j'attendais et la prof, elle voulait vraiment qu'on ne se croise pas, elle et moi. Donc, qu'est-ce qu'elle disait? Elle accompagnait l'élève jusque moi. Et puis, elle me disait, toi, maintenant, tu peux rentrer. Je suis rentrée, elle me dit, tu as 15 minutes pour faire un examen de 2 heures. Je mets un réveil sur mon téléphone. Si ça sonne, c'est fini. Et j'avais 5 questions ouvertes. Tu me dis tout ce que tu connais sur ces questions. J'avais 2 calculs de 12 à faire. J'étais tellement stressée, tellement concentrée sur le temps que ma réflexion était bonne sur mes calculs, mais je me suis trompée bêtement en fait. Même moi-même, je me suis dit, c'est bête comment tu t'es trompée, parce que j'étais tellement stressée, je regardais tellement le temps, je me disais, j'ai pas le temps pour faire tout ça, que je me suis trompée dans mes calculs et j'ai écrit tout ce que je connaissais sur mes questions ouvertes. Et puis, je voyais son réveil sonner parce que j'étais dans son bureau, car les 15 minutes s'étaient écoulées. Et après, elle vient, elle me dit, bon, maintenant, tu vas faire un oral. Je fais, ok, d'accord. Elle commence à me poser des questions. Je me dis, mais où elle était partie chercher ces questions?
Je répondais aux questions en général, je répondais, j'ai fini. Elle me dit, ok, d'accord. J'ai fait, madame, c'est le même examen que les autres ont eu. Elle me dit, oui, c'est exactement la même chose. Mais moi, je ne voulais pas demander aux autres comment était l'examen, parce que je disais, Seigneur, je veux rester honnête jusqu'au bout dans cette histoire. Je n'ai pas envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont eu. Je veux juste voir mon examen, c'est tout. Et je suis sortie, franchement, je savais que j'avais 8. Vu les questions qu'elle m'avait posées, c'est même pas, je connaissais sa matière par cœur, mais les questions, je ne comprenais même pas où elle était partie prendre les questions. Je suis sortie, j'étais sûre, j'ai fait oh, j'ai 8. Mais je me dis, tant mieux, je préfère avoir un 8 qu'avoir un 0, parce que je savais très bien, je m'étais tellement donnée à fond dans les deux autres matières que je me disais, même un 5 à la limite, je vais avoir ma moyenne, parce que j'étais sûre quand même de faire des bons points dans les autres, à la place d'avoir un 0 là. Et je suis sortie, j'avais toujours mal à la tête, comme ça je priais, j'ai rien dit à personne chez moi, je priais, et un matin, comme ça je me réveille, je vois un message du pasteur qui me dit, qui me parle sur la tsunami et tout, je fais ok. Et après ça, j'ai ouvert ma vie pour pouvoir encore méditer cette parole. Quand j'ai médité ça, j'ai fait, c'est bon Seigneur, merci. Maintenant, c'est résolu, c'est fini, ces problèmes. Et après ça, je suis venue, j'ai prié toujours le Seigneur. J'étais toujours en prière, c'était mon sujet de prière. Et après, j'ai dû aller voir mes résultats. En fait, quand je suis partie voir mes résultats, je vois chez la prof, j'avais 12 sur 20. J'étais étonnée d'avoir 12 sur 20, alors que j'étais sûre de moi d'avoir eu même un 5, même un 8, vu ces questions que je ne savais même pas où on avait cherché ça. Au final, j'avais réussi mon année. Je remercie le Seigneur pour ça. Salutations de notre frère Marcel de Créteil et notre sœur Rédansa de Lugabo. Que le Seigneur soit béni. Nous chantons le 28, dans les phrases. Dieu dit d'aimer un pécheur qui nous dit. Le 28. Dieu dû aider un pécheur comme moi. Thank you.
bénédiction pour cette grâce que nous a accordée. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin, d'être dans sa maison, pour louer son Seigneur et pour le glorifier. Nous le remercions parce qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, parce qu'il a dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi. Amen. Nous vivons parce que notre Seigneur vit. Nous remercions parce que si nous a accordé le souffle de vie, et comme l'Écriture le dit, les vivants et les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, ô Éternel. Comme ce matin, nous le louons de tout notre cœur, nous avons exprimé par le chant des cantiques la joie que nous avons de pouvoir l'avoir comme notre Maître et aussi notre Sauveur. La reconnaissance aussi de ce que nous pouvons aussi avoir des frères et des sœurs aussi, et d'avoir la communion aussi avec eux. Nous sommes dans la joie ce matin de voir notre frère Jacques de la Suisse qui est venu parmi nous et qui nous a fait aussi la joie de pouvoir aussi venir aussi son ami aussi, qui est aussi Olivier qui est parmi nous. Je pense que les frères et les sœurs aussi ont eu la joie hier de pouvoir se retrouver ensemble avec eux parce qu'ils avaient donc un projet pour aider ceux qui doivent aussi avoir la possibilité d'avoir un travail. Je crois que ça réjouit beaucoup aussi ce qu'ils ont eu à pouvoir présenter. Ils sont encore là, donc si vous avez reçu l'occasion de voir leur poser des questions tout à l'heure, vous le verrez. Mon frère Jacques, c'est bien le bien-aimé frère dont je vous ai parlé ici une fois. Je vous ai dit l'autre fois, il y a un temps, j'ai dit, il y a donc un frère, quand il a donc appris que j'étais parti donc à Myanmar, en Birmanie, il était vraiment touché et aussi étonné. Il m'a même appelé, il m'a posé la question me disant, mon frère, est-ce que ce que j'ai entendu est vraiment vrai et que tu es parti vraiment en Birmanie, donc à Myanmar, que tu es rentré avec des Bibles? Moi, j'ai dit, oui, mon frère. Et puis, il me pose la question, dis-moi, est-ce que c'est ton gouvernement qui est intervenu? Je lui dis, non, c'est le Seigneur. Amen. Il était tellement dans la joie et touché dans son cœur parce qu'il se souvient combien c'était difficile, effectivement, pour que les frères rentrent dans ce pays-là pour prêcher la parole. Et je lui ai même dit que oui, les âmes ont cru, ils ont été baptisés. Et les Bibles ont été distribuées aussi. Et cela a touché vraiment son cœur. Et puis, bon, on a parlé longuement. Et puis, il m'a dit, je voudrais vraiment organiser une réunion pour que tu viennes en Suisse. C'est comme ça que je suis parti donc en Suisse avec le nom de son cœur. Il a organisé des réunions, effectivement, là. J'ai apporté aussi la parole. C'est comme ça que j'ai été aussi à la santé de notre frère qui s'est trouvé l'autre jour en prière pour lui. Précieux Sauveur, nous voulons te dire merci. C'est vrai, tu nous as bénis ce matin parce que nous pouvons avoir notre précieux frère Jacques. Nous prions pour que tu le bénisses, Père. Tu as vu son amour aussi, tu as vu aussi son dévouement aussi faire le long de son cœur pour que ton peuple entende aussi ta parole, Père. Oui, sur le roi de encore davantage mon roi dans le ministère que tu lui as accordé la grâce à voir avec ses ailes qu'il a, mais les patrices, on voit combien il veut aussi que beaucoup soient sauvés, beaucoup soient aussi ramenés, bénévole ton Dieu, à la fois, mon Père Seigneur, qu'il soit aussi arrosé, mon bénévole Père Saint. Souviens-toi de son épouse et ses enfants, Seigneur Père Dieu, son ministère et son travail, Père, et son église aussi, bénévole patrice, et partout il sera, Seigneur, puisse lui accorder pour l'aide, le soutien, le secours dont il a vraiment besoin, Père. On soutient le riche, mon Père Saint. C'est vrai, je prie aussi pour Olivier, qui l'a amené aussi ce matin, Seigneur. Tu le connais aussi bien, mais tu connais aussi les désirs de son cœur, mon roi. Puisse lui raconter pour la grâce et aussi leur projet aussi, Père. Puisse aussi agir, mon bénévole Père Saint, parce que tu as dit, ça assure de ton front que tu gagneras ton pain, Seigneur. Ce qui veut aussi avoir aussi, bénévole Père Saint, louange et honneur à toi encore ce matin. Je t'ai ainsi prié, Père, avec ton peuple ce matin, pour notre frère, bénévole Père Saint, au nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre frère Ben, tiens, nous voulons donc. Viens, mon frère. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le psaume chapitre 82. Suite à ce que le frère Jacques était en train de dire, la position de l'épouse, ce que nous sommes, ce que Dieu dit que nous sommes, la définition que Dieu donne à son épouse. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Amen.
il est juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main de méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge de la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Glorieux tendre Père Céleste, quelle bénédiction, Seigneur, est liée à la lecture de ta parole. Cette parole qui nous interpelle, Seigneur, c'est que nous sommes en toi. C'est que toi, tu dis que nous sommes la définition que tu donnes à ton épouse. Oh Seigneur, comme nous pouvions réellement être saisis en esprit alors que tu nous parles, Seigneur, au travers de ton serviteur, le frère Jackie, qui remontait, qui redéfinissait l'épouse selon Dieu. Oh, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir nous situer aussi dans les Écritures, parce que toi, tu as dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Seigneur, nous croyons cela. Nous nous identifions à cela. Nous croyons que cela s'adresse à nous. Nous croyons, Seigneur, qu'en nous identifiant, nous verrons réellement les dividendes de ta divinité. Oh Dieu tout-puissant, c'est pourquoi nous nous tenons devant toi, Seigneur, comme des dieux, comme des fils du Très-Haut, rachetés, réconciliés avec Dieu, justifiés, comme si nous n'avons jamais péché, saint dans ta présence, assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, partageant, Seigneur, la divinité de Dieu, partageant, Seigneur, les gloires des lieux célestes, combien te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Oh Dieu, tu as manifesté ton amour envers nous des indignes, envers nous des pécheurs, dans notre condition déchue, qui nous a, Seigneur, récupérés. Comme Adam s'était jeté ce jour-là dans la brèche pour pouvoir réintégrer Ève dans son alliance. Oh Seigneur, Jésus-Christ, tu l'as monté sur la croix. Tu es allé mourir pour nous. Tu t'es tenu à la brèche, Seigneur, pour pouvoir réintégrer ton épouse en toi, dans l'alliance éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as envoyé un évangile éternel pour nous montrer, Seigneur, que nous ne sommes pas de ce monde, que nous étions en toi avant la fondation du monde. Nous sommes de co-créateurs. Parce que quand tu créais ce monde, nous étions là en train de pousser des cris de joie. Oh Seigneur, et quand tu avais trouvé que tout était bon, que tout était merveilleux, quand tu avais créé l'homme, tu pouvais te reposer parce que tu savais que l'homme pouvait parler à l'air. Oh Seigneur, mais quand cette parole était tordue, nous avons perdu notre identité, Seigneur. Mais toi, le Dieu de la restauration, tu nous as restauré, Seigneur Jésus, pour que nous puissions reconnaître ce que nous sommes en toi. Et aujourd'hui, nous nous tenons comme des fils et des filles, plus que des serviteurs et des servantes. Oh Seigneur, parce qu'un serviteur est limité, mais un fils a les mêmes droits que le Père. Combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Que pouvons-nous te dire, Seigneur, si ce n'est exprimé, Seigneur, le fruit de nos lèvres, la reconnaissance que nous avons devant toi. Te disant merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous. Merci, Seigneur, pour ta révélation à nous. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous repositionne, qui nous remontre réellement ce que nous sommes en toi. Oh Dieu, regarde, Seigneur, au milieu de nous.
s'il y a encore des faibles. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les tenir par la main, que tu puisses les révéler à eux, afin qu'ils reconnaissent, Seigneur, ce que toi tu as fait pour eux. Seigneur, s'il y a encore des sceptiques, nous prions, oh Dieu, que tu puisses réellement parler à chaque cœur, que tu puisses les révéler à chaque cœur, afin que, Seigneur, nous puissions reconnaître ce que tu as fait en nous. Oh Père, tu as écrit ta parole, tu l'as révélée afin qu'elle soit manifestée. Quelle grande révélation, Seigneur! Nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous voulons réellement être à ton image. Nous voulons réellement te représenter sur la terre parce que l'homme et la femme sont un. Oh Seigneur, nous voulons réellement être les reflets de Jésus-Christ sur la terre. Christ est vivant sous forme de l'épouse. Merci Seigneur, c'est pourquoi tu nous as envoyé ta parole, tu nous as envoyé des serviteurs fidèles que toi-même tu as enseignés par l'esprit et par des expériences afin de pouvoir prendre soin de ta sémence dans nos cœurs. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, tellement reconnaissants Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Merci pour cela Seigneur. Nous voici encore Seigneur, dans ta maison, nous sommes venus avec des fardeaux. Père, nous croyons que tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Repose-nous, Seigneur Jésus, repose-nous dans ton propre sein. Oh, parce que toi, celui qui nous a pris en charge, tu es le Dieu infatigable. Soutiens-nous, Seigneur Jésus, que ta présence, Seigneur, qui a commencé avec nous, continue avec nous, Seigneur, et termine avec nous. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la puissance, Seigneur, soit à toi. L'honneur, la magnificence. Pour l'éternité. Toi, le Dieu qui a frappé les rochers pour nous abreuver des eaux vives et nous donner la force pour continuer le voyage. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tiens-nous par ta main pour que nous puissions réellement réaliser que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Manifeste-toi au jour le jour dans notre vie, afin que nous puissions dire sans cesse que tu es merveilleux. Ô rocher éternel, nous voulons maintenant remettre, Seigneur, cette autre tranche de la prédication de l'Évangile entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu te saisisses de ton serviteur. Il n'est qu'un instrument, comme une trompette sans une voix derrière. Ne peut rien représenter, Seigneur. Sans toi, l'utilisant, sa parole ne transmettra que la mort. Parce que toi, tu as dit que toute parole de l'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est esprit. Ta parole est vie. La vie éternelle, l'abondance éternelle. Nous prions, Seigneur, que tu te saisisses de notre pasteur. Que tu puisses, Seigneur, l'utiliser comme un instrument, un vase d'honneur pour la bénédiction des âmes sœurs. Accorde-les, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur. Élève notre foi dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que nous puissions écouter le son distinct de la voix, Seigneur, de la voix que toi tu vas exprimer à travers ton serviteur. Nous prions aussi pour nos frères qui sont en ligne, Seigneur. Partout ils sont, tu les connais, Seigneur. Bénis-les. Touche-les. Et que la même bénédiction qui se répand ici soit aussi répandue dans leur vie. Car nous sommes un en esprit. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es avec nous. Et ta présence changera les temps et les circonstances. Parce que quand tu viens, tu changes la mort en vie. Tu changes la défaite en victoire. Tu changes la maladie en bonne santé. Tu changes le péché en une vie de sainteté. Fais-le, Seigneur Jésus. Alors que nous nous abandonnons à toi. Sois notre Dieu. Marche avec nous tous les longs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Afin que quand nous quitterons cet endroit, nous puissions réellement dire, comme ceux qui rêvèrent des maïs, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous, alors qu'ils nous parlaient dans l'église. Fais-le, Seigneur, alors que nous recevons toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques, matérielles, dans les noms tout puissants, les noms qui ne changent pas, les noms de notre parent rédempteur, les noms de notre sauveur, les noms de notre Seigneur, le tout puissant,
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur glorifié Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu pour les paroles que nous venons de pouvoir entendre. Que son Seigneur soit béni, que nous venons aussi de pouvoir lire dans les psaumes, comme notre précieux frère nous l'a aussi, de savoir aussi, au travers de la parole que nous avons entendue, nous réjouissons de ce que réellement le Seigneur nous a prédestiné à pouvoir être dans un temps comme celui-ci, dans un âge que lui-même avait connu avant la fondation du monde, en connaissant effectivement aussi la condition dans laquelle l'âge serait, combien l'âge de l'Odyssée est un âge tout à fait difficile et particulier aussi. Mais le Seigneur avait jugé bon de pouvoir vous placer, vous et moi, dans un temps comme celui-ci. Amen. Et il savait effectivement ce que vous étiez, et ce que réellement aussi, lui aussi avait eu à pouvoir aussi placer aussi dans chacun de nous, pour que nous puissions être de victorieux dans un âge comme celui-ci. Dans chaque âge, il y a eu de vainqueurs. Mais pour qu'ils puissent vaincre, effectivement, il fallait qu'ils puissent avoir réellement la chose exacte qui était l'arme nécessaire pour vaincre. Vous vous souvenez que j'ai eu à pouvoir vous parler, effectivement, des quatre êtres vivants. Et je n'ai jamais cessé de pouvoir le répéter. Mais c'est tellement si important de voir combien Dieu est tellement parfait, la manière dont il agit, de telle sorte que nous puissions être vraiment encouragés, sachant que si nous sommes vraiment des dieux et des élus de Dieu, eh bien, l'élection ne pourra jamais faillir. Amen. À la grâce du Seigneur, nous continuerons la marche et nous arriverons à pouvoir atteindre effectivement le but, comme nous l'avons entendu effectivement aussi ce matin, un puissant encouragement nous montrant d'où nous étions et ce que Dieu a voulu vraiment faire au travers de nous sur la terre et aussi où est-ce que nous allons aussi. Nous remercions vraiment parce que les promesses que le Seigneur, notre Sauveur, a faites dans les Saintes Écritures sont des promesses qui sont certaines pour nous qui croyons réellement la parole de Dieu, qui avons trouvé grâce. Nous avons l'assurance que tout ce que Dieu a dit dans ce qui est écrit dans sa parole, c'est là, Dieu y veille vraiment. Et le Seigneur lui-même y veille particulièrement parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il va certainement accomplir sa parole comme il l'a déclaré. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Nous vivons dans un temps tout à fait particulier. Et comme mon frère l'a si bien dit, et c'est vrai, que la venue du Seigneur est vraiment si proche. Et nous, en tant que peuple de Dieu, devons aussi être conscients de cela, et surtout, savoir effectivement qu'est-ce que le Seigneur, lui, nous avait réellement dit, comme nous l'avons entendu, je pense, mardi ou jeudi, il a dit que quand toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, car votre rédemption est vraiment proche. Ce ne sont pas ceux qui sont distraits qui pourront arriver à pouvoir atteindre le but, mais c'est ceux qui sont vraiment très attentifs et qui s'y donnent effectivement dans la chose, sachant effectivement pourquoi ils ont été réellement appelés. Dans le livre de Habacuc, au chapitre 1, je voulais lire cela avec vous, Habacuc. Je vais lire Habacuc au chapitre 1, je vais lire, j'ai déjà lu ce verset, mais je vais lire ce matin. Habacuc au chapitre 1, le verset 5, il dit, « J'étais donc les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards,
plus agile que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond effectivement sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque du roi. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre. Et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et guide. Se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas, ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements, ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Amen. Amen. Je te remercie, mon Père, de te glorifier encore aujourd'hui, et tout notre cœur, nous tenons devant toi pour te dire combien tu es merveilleux. Nous a parlé ce matin, Seigneur, et aussi au travers de la parole, les psaumes aussi perçants, combien les chants et les cantiques ont réjoui nos cœurs et nos âmes, avant aussi nos enfants qui sont ici pour chanter la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous te goûter, mon Père. Merci pour ta bonté, merci encore pour ton amour et ta grâce, Père. Donne encore la force à ton peuple ce matin, Seigneur, afin que ce que tu nous as donné, nous n'avons pas la foi, nous encore persévérer, continuer à entendre moi ce que toi tu veux que nous puissions entendre, Père. C'est vrai, comme mon frère l'a dit encore tout à l'heure, les paroles de l'homme ne sont pas valables pour mon Père. C'est tes paroles à toi qui sont valables, Père. Puisse nous parler encore ce matin, me pardonner, Père. Je t'ai dit prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprouvez à vous asseoir. Ce que nous venons de lire, effectivement, c'est une parole qui est un peu étrange, qui est un peu fait sursauter d'une certaine manière ou d'une autre, mais elle a réellement sa raison d'être. Parce que là, le Seigneur dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez donc saisis d'étonnement et de voir, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on l'a raconté. Et dans le chapitre 2, effectivement, c'est bien Habacuc le prophète qui dit, j'étais donc à mon poste, et je me tenais sur la tour, je veillais en réalité pour voir ce que, Habacuc chapitre 2, verset 1, je veillais en effet pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa donc la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alors dans Ésaïe au chapitre 21, je pense que c'est cela, Ésaïe au chapitre 21, Ésaïe chapitre 21, nous lisons à partir du verset 6, il dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste pour toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers, deux à deux. » Et elle prit encore la parole et dit, « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Oracle sur du mort, comme écrit de Seir, sentinelle, que dis-tu donc de la nuit? Sentinelle, que dis donc, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Donc nous remarquons qu'effectivement, dans les Écritures que nous avons pu lire, avec l'écriture que nous venons de lire maintenant dans Ésaïe, voyons qu'il est parlé effectivement d'un peuple furibond, et puis ici, cela, et puis là, ici, on voit effectivement que le Seigneur dit ici, parce que verset 6, il dit, 21 Ésaïe, verset 10, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, la
la sentinelle. Donc il dit que la sœur la sentinelle, effectivement, afin qu'elle annonce ce qu'elle verra. Donc la place de la sentinelle est une place tout à fait importante parce que tout le peuple qui est effectivement dans le camp, dans le lieu où peut se trouver d'une certaine manière, dépend effectivement la sécurité, si vous voulez, effectivement, si c'est une vie, dépend effectivement la position, de la manière dont la sentinelle voit et annonce. Qu'est-ce que la sentinelle voit? Qu'est-ce que la sentinelle annonce? Et là, maintenant, on a lu ici, il dit, mais sentinelle, que dis-tu donc de la nuit? Alors, on veut être sûr, sentinelle, on veut réellement être dans la paix quand on rentre sous la couche de nos couvertures de nos lits, effectivement, quand on dort, on veut savoir, est-ce que sentinelle, tout va bien? Est-ce que tu vois bien? Parce que la sentinelle doit avoir les yeux pour voir. Amen. Il faut que la sentinelle voie très bien. Oui. N'oubliez pas quand le Seigneur a appelé Jérémie, il lui a posé la question. Il lui a dit, hein, mais que vois-tu, Jérémie? Jérémie devait bien observer, devait bien avoir des yeux pour bien voir. Parce que quand il a regardé, il a répondu, je vois une branche d'amandier. Je veux aussi dire, mais je vois quelque chose qui ressemble à... Vous avez entendu? C'est probablement quelque chose qui serait peut-être. Et vous, donc, quand tu dis c'est quelque chose qui serait peut-être, donc tu n'es pas sûr. Donc ça veut dire que tu ne vois pas bien. Mais quand Jérémie a répondu, effectivement, sa réponse était claire et précise. Donc il dit, mais je vois une branche d'amandier. C'est pas qu'il dit, mais c'est peut-être une branche d'un figuier ou d'une branche de quelque chose. Non, qu'est-ce que tu vois exactement? Parce que ta façon de voir les choses est importante. Parce que tu es un peuple sous ta responsabilité. Ici, au chapitre 21, qu'est-ce qu'il dit? Mais regardez très bien, ici, il dit quoi? Verset 7, il dit, mais elle vit de la cavalerie des cavaliers deux à deux. Donc, il voyait bien que je vois, il dit, mais je vois une ombre comme quelque chose qui bouge. Non. Parce que s'il s'agit effectivement de la sécurité de ces peuples sur lesquels toi, tu as été placé là pour être la sentinelle. Il faut avoir une vue claire des choses, effectivement, pour que le peuple se sente aussi, il va dire, ah, nous sommes en sécurité. Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois pas très bien. Alors le peuple ne sait pas quelle position prendre. C'est pourquoi l'Écriture dit, mais si la trompette rend un son confus, parce que c'est quand même la sentinelle qui se place effectivement sur la tour et qui voit les dangers et qui doit maintenant faire retentir la trompette. C'est vrai, non? Ézéchiel 33, je pense. Regardez, je pense que c'est cela. Ézéchiel, au chapitre 33. C'est Ézéchiel, chapitre 33, je pense que c'est cela. Voilà. Ézéchiel chapitre 33, verset 1 et 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Donc effectivement, il faut qu'il puisse sonner de la trompette. Il va sonner de la trompette en fonction du danger qu'il voit. S'il voit les machins qui viennent avec la nourriture et les vêtements, il va pas sonner la trompette comme soit la guerre quand même. Et vous comprenez? Donc la sentinelle est placée effectivement pour qu'elle puisse voir et avertir de la manière juste. Amen. Alléluia. Pas que c'est probablement ou c'est peut-être effectivement. Non. C'est-à-dire que quelque chose de sûr. Parce qu'il s'agit. Imaginez un peu une fois, frère et soeur. Moïse qui vient, qui veut faire sortir ce peuple, effectivement, et qui leur dit, probablement nous allons à la terre promise.
tu viens nous faire sortir pour nous dire que probablement, oui, il se peut qu'on aille sur à la terre promise, effectivement, ou au pays promis, mais ce n'est pas normal, il faut qu'on sache. Tu l'as fait sortir pourquoi? Pourquoi tu nous as fait sortir? Alors, lui, Moïse, devait quand même faire comprendre au peuple que non, si je vous ai fait sortir, ce n'est pas moi d'abord. Ce que le fait que vous soyez sortis, cela ne vient pas de moi. Cela vient de Dieu, c'est lui qui a fait la promesse à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et maintenant, qu'est-ce que ce Dieu veut de vous? Mais en fait, s'il vous a fait sortir, c'est parce qu'il veut vous conduire où c'est? Dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Ça, Moïse ne l'a pas inventé. Moïse a sonné la trompette, effectivement, parce que la chose qu'il disait était vraie, correspondant à ce que Dieu avait dit. Lui, il avait quelque part sur quoi il se basait. C'est pourquoi il n'y a pas de probablement ou peut-être dans les Saintes Écritures. Amen. Il n'y a pas non plus de probablement ou peut-être effectivement dans ce que Dieu lui a annoncé et prédit. Amen. Dans le temps dans lequel nous nous trouvons. En fait, nous ne sommes pas un peuple de probable. Nous ne sommes pas un peuple de peut-être. Notre frère l'a dit tout à l'heure. Il l'a montré. Quand il a parlé, ce que j'aimais bien, c'est que quand il a parlé, il est allé dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous avez remarqué? Donc, il a bien lu pour que vous et moi, nous sachions que c'est la vérité. Ce qui veut dire que notre origine n'est pas peut-être. Non. Non, non, non. Notre origine est certaine. Amen. Puisque Dieu l'a démontré dans les Saintes Écritures. Amen. Donc, avant que le monde soit bon, nous étions connus de Dieu. Amen. Donc, avant que le monde soit bon, nous étions où c'est? En Christ. Amen. Donc, je crois que ces choses ont été. Donc, pour que nous revenions dans ce que nous disions, c'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, il n'y a pas dans la parole du Seigneur une pensée qui peut laisser penser que c'est peut-être ceci ou c'est probablement cela. Dans Habacuc, il a dit certainement que la prophétie qui a été annoncée, grave là, elle s'accomplira, pas probablement, non mais certainement, elle va s'accomplir. Amen. Puisque j'ai dit la chose qui va venir, qui va être donc elle va certainement prendre place. Donc nous sommes certains. Puisque c'est la même chose, mon frère et ma soeur. Pour tous les âges qui sont passés, les choses que le Seigneur Dieu avait prévues lui-même, annoncées d'avance et qu'il devait prendre place. Dans les Saintes Écritures, même quand lui-même, le Seigneur Jésus, était là. Lorsque Judas est parti, effectivement, pour aller faire son travail qu'il a fait, puis il a ramené, effectivement, ce qu'il devait arriver à pouvoir prendre le Seigneur, l'arrêter, effectivement, l'amener. Qu'est-ce que Pierre et les autres ont fait? Ils ont fait sortir l'épée. Pierre a fait sortir l'épée, effectivement. Ils voulaient se battre, effectivement, pour empêcher qu'on amène le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ramène ton épée. Comment tu peux faire? Il dit, mais je peux invoquer donc mon père, il a besoin des gendarmes. Mais si je l'ai fait effectivement, comment les écritures s'accompliraient-elles? Il faut que les écritures s'accomplissent. Parce qu'il est écrit ainsi de moi dans les Saintes Écritures. Donc ce qui veut dire que tout ce que Dieu a prédit, tu ne peux pas l'interférer. Ce qui est merveilleux avec notre Seigneur est ceci, frère. Quand il était sur la terre, il est celui qui a annoncé, il est celui qui accomplissait aussi la parole. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'aimerais que vous écoutez très bien. Étant Dieu, il avait la capacité de pouvoir changer même les circonstances. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il est venu vers Jean le Baptiste. Jean était le prophète, messager. Mais qui l'avait établi prophète et messager? C'était lui. Amen. C'est vrai, non? Amen. Parce que sans lui, Jean ne pouvait pas être messager. Amen. Mais voilà qu'il vient maintenant vers Jean. Jean a su qui il était. Amen. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens vers moi. Qui pouvait changer la chose? Amen.
Périgue, certainement tu as raison, je suis Dieu, je vais faire cela moi-même. Non! Dans les Écritures, l'agneau devait être lavé. Alléluia! Oh, c'est pourquoi, frères et sœurs, quand il a dit à Jean, oui, c'était aussi le truc, quand il a dit, mais laissons donc accomplir tout ce qui est juste. Dans les cieux, se sont ouverts. La voix se fit entendre. Voici mon fils. Bien-aimé. Et vous, frères et sœurs, c'est en fait Dieu regarda le fils comme notre précieux frère l'a lu dans le psaume. Vous êtes des dieux en fait. Mais quand tu réalises qui tu es effectivement, Dieu, fils de Dieu, tu es Dieu. Maintenant Dieu t'observe effectivement. Comment toi, avec ce que tu as comme autorité de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas réagir? Parce que les dangers sont là. Vous allez le comprendre plus tard. Les dangers là, je vais vous le montrer dans cette écriture. Comprenez bien ce que je vais très comprendre. Regardez comment sont les choses. Parce que, et c'est vrai, le Seigneur a dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, tu diras cette montagne, pas que lui va dire, mais toi mon frère, toi ma soeur, tu diras cette montagne, ôte-toi de là, la montagne te fera quitter. Amen. Parce que la montagne va obéir à ce que Dieu a dit comme ordre. Ordre-la et quitte effectivement, elle va partir. Regardez. Le Seigneur Jésus-Christ, après son baptême, par Jean-Baptiste, le Dieu du ciel, a rendu témoignage que voici mon fils bien-aimé. Donc là, Dieu s'est déversé en Christ. Il est amené donc dans les déserts pour être éprouvé. Fils de Dieu, Dieu lui-même. Satan vient lui dire, ah, comme tu as faim. Tu es un fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu as la puissance, n'est-ce pas? Tu es créateur, n'est-ce pas? Eh bien, ordonne que ces pierres ici deviennent du pain. C'est vrai. Frères et sœurs, le Seigneur que nous avons est capable de faire tout ce qu'il veut. Amen. Il pouvait, s'il le voulait, me changer les faits. Enfin. On vous dirait, frère, est-ce que c'est vrai? Frères et sœurs, aux noces de Cana, qu'est-ce qu'il a fait? L'eau, il a changé sa voix. Donc s'il le veut, il peut le faire. Donc là, Satan, il vient, il lui dit, mais tu peux changer cette pierre en pain. Voyez-vous, frères et sœurs, même si on a cette nature, cet attribut, effectivement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Alléluia. Un véritable fils de Dieu, il se soumet à Dieu. Amen. C'est pourquoi il disait toujours, je ne peux rien faire de moi-même. Amen. Je ne fais que ce que me montre le Père. Amen. Parce que nous, nous ne devons pas aller à contre-courant de ce que Dieu fait. Nous voulons aller dans le sens de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il avait, il était Dieu, il y avait beaucoup de malades, effectivement. Il pouvait guérir tout le monde, effectivement. C'est comme malade. Je crois que c'est dans les silos, évidemment, je pense que c'est Jésus. Celui qui se devait se jeter, qui ne savait pas se jeter dans le rouge. Non. Donc, nous devons être conscients de la manière dont le Seigneur, notre Dieu, les choses veut que nous soyons, que nous puissions saisir certainement les choses pour que nous puissions en réalité être utilisés par Dieu et non pas être utilisés par quelqu'un ou par un esprit d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que là, s'il avait changé les pierres en pain parce qu'il avait le pouvoir de le faire, il était conduit par qui? Bien sûr qu'il obéissait à Satan. Parce que l'objectif de Satan était quoi? Vous me suivez? Amen. Regardez ici. L'objectif de Satan était quoi? C'était que comme Adam a dit, ouf, chuté effectivement,
c'est sûr et certain. Il dit, mais celui-ci, c'est aussi les derniers Adam. Je dois arriver aussi à l'amener aussi à quoi? Mais agir contrairement à quoi? À la volonté de Dieu. Alors, j'aurai toute la domination sur la terre entière. C'est sûr, parce qu'il avait cette domination, il dit que le monde m'appartient. Donc, une fois que je l'ai, c'est terminé. Voilà que là, il n'a pas eu à pouvoir réellement saisir. Le Seigneur lui a montré effectivement le contraire. Mais il est aussi écrit. Amen. Qu'est-ce qui est écrit? Que l'homme ne verra pas de pain seulement, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Là, effectivement, Satan a été donc terrassé, comme vous voyez un peu la suite des idées. Donc, revenons à ce que nous disons. C'est-à-dire que chaque chose, dans chaque temps, effectivement, auquel le Seigneur a lui-même annoncé quelque chose qui devait réellement prendre place, cette chose prendra certainement place dans le temps et dans la période et dans l'époque dans lesquelles Dieu l'a réellement annoncé et envoyé aussi. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir certainement observer en réalité les choses de Dieu pour que nous puissions arriver à pouvoir en avoir la compréhension au temps marqué de Dieu. Je vais être clair. C'est comme quand Dieu avait dit effectivement que voici la Vierge concevra. C'était 800 ans. Donc cette prophétie qui a été donc annoncée effectivement, a été annoncée depuis des centaines d'années auparavant. Mais à quel moment est-ce que Dieu allait l'accomplir? Ni toi, ni moi, nous ne le savions pas. Et ceux qui vivaient à cette époque-là, effectivement, ils pensaient que c'était effectivement au moment-là, on était de cette manière aux autres. Mais regardez quelque chose de particulier, effectivement, c'était avec Siméon. La chose allait s'accomplir, effectivement, dans son temps. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a soulevé Siméon et dit, mais va dans les temps. Parce que Dieu lui avait fait la promesse que tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ. Donc, quand le temps de l'accomplissement de la prophétie était arrivé, Siméon qui était loin, Dieu l'a saisi. Et il est venu, il a pu voir effectivement l'accomplissement de la parole de Dieu. Et vous, l'homme était au courant de ce que Dieu allait faire. C'est pour ça que Dieu dit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc nous l'observons, nous ne l'interprétons pas. Et ce que Dieu a eu à pouvoir dire dans les âges qui sont passés, ces choses se sont certainement passées comme Dieu l'avait dit, pour qu'on passe de l'âge d'Éphèse à l'âge de Smyrne, effectivement, à notre âge, effectivement, il fallait que tout ce que Dieu avait dit pour cet âge-là soit accompli pour que nous passions maintenant dans l'âge suivant. Et ce que Dieu, est-ce que vous me suivez? Et ce que Dieu avait annoncé, donc tous ceux qui étaient dans l'âge en question devaient avoir aussi connaissance des choses que Dieu avait annoncées pour longtemps. Ramenons dans notre temps. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge de la fin, n'est-ce pas vrai? Alors, j'ai reçu, je crois qu'une question de la sœur, je crois que c'est la sœur Carole qui m'a posé cette question-là, en disant, frère, est-ce que nous allons être sous la domination des musulmans? Parce que je pense qu'elle comme elle était connectée, elle a suivi la connexion la fois passée, elle dit, est-ce que nous allons être sous la domination des musulmans? Ou je ne vois pas tellement très bien clairement, est-ce que vraiment, parce qu'on doit savoir où est-ce que nous en sommes. Dans les saintes écritures, nous avons lu avec vous, je veux que vous prêtiez attention, dans le livre de Daniel, vous connaissez, sur le Daniel, effectivement, les empires babyloniens, mais leurs perses, vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez? Amen. Ainsi de suite, jusque le dernier empire qui est donc l'empire romain. Vous vous souvenez? Regardez une chose. J'ai lu dans Habakkuk, regardez une chose, frère. Nous avons l'empire babylonien, n'est-ce pas vrai? Et puis le Médo-Perse, n'est-ce pas? Puis l'empire grec. Vous n'avez pas réalisé une chose. Je veux que vous prêtiez attention à ce que vous allez entendre. Vous n'avez pas réalisé une chose. D'abord, vous savez que nous sommes à l'âge de l'Odyssée, à la fin. N'est-ce pas vrai? Donc, sachant que nous sommes à la fin,
Vous avez remarqué que l'Empire, donc, celle qui se trouve effectivement le dernier dans 7 ans, a rassemblé tout ce qui était en fait des autres empires. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Apocalypse 13, vous vous souvenez? Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Qui se souvient? Voilà pourquoi quand je pose la question, c'est parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je vois qu'il y a quelques mains, les autres ne se souviennent pas, frères et sœurs. Dois-je encore, revenir? Prenons Apocalypse chapitre 13. Allez, lisons ensemble. Chapitre 13 d'Apocalypse, je pense que c'est cela, oui. Je l'ai dit en maintes reprises ici, je souhaiterais que la prochaine fois, Dieu voulant, quand je pose la question, que toute la main de frères et sœurs d'ici s'élève. Ce qui veut dire que vous entendez, vous rentrez chez vous, vous n'écoutez plus, donc vous oubliez. Donc, chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 1, il dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ce corne, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. » Vous vous souvenez encore? Amen. Qui se souvient? Oui. Ah, je vois le mal qui s'allait. Alors il dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous vous souvenez encore? Oui. Ses pieds étaient. Or, le premier empire, voyez-vous, chaque chose, chaque bête, effectivement, était caractéristiquement différent. Mais le dernier ici, il a rassemblé toutes les caractéristiques, en fait, des autres empires. Vous vous souvenez? Donc, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Peut-être que les autres qui me suivent et qui me regardent ici se posent la question. Retournons vite dans Daniel, simplement, rapidement, pour que nous allons vite dans ce que nous allons entendre ce matin. Alors, Daniel chapitre 7. Voilà, je pense que c'est cela, oui. Il montre effectivement au verset 1, Daniel 7, verset 1, il dit, la première année de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sous sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici le 4 vents de cieux firent éruption sous la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Vous avez entendu? Ils étaient différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et puis, un deuxième animal était semblable à un ours. Verset 6, il dit, lisez le verset. Donc, le verset 4, il dit, le premier était semblable à un lion. Verset 5, il dit, et voici un deuxième animal était semblable à un ours. Verset 6, il dit, et après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Voyez-vous? Donc chacun, effectivement, était différent. Donc, chaque période qu'il était, effectivement. Et verset 7, il dit, après ça, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable. N'est-ce pas? Et bien, ce 4e-là, c'est celui qu'on retrouve ici au chapitre 13 d'Apocalypse. Il rassemble tous les autres 3. Maintenant, vous avez compris? Amen. Alors, il dit, la bête que j'ai... Chapitre 13 d'Apocalypse, verset 2, dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc nous avons remarqué qu'effectivement que tout cela, ce qui était dans les autres empires, effectivement, se sont donc retrouvés dans le dernier. La concentration, effectivement, de tout ce qui pouvait être effectivement dans ça. Alors je disais tout à l'heure effectivement que vous avez remarqué effectivement qu'il y a eu donc l'empire babylonien, et puis le Médo-Perse, et puis l'empire grec. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, non? Vous voyez tout à l'heure, effectivement. Vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, que d'abord, que ici, dans le dernier temps, tout ce qui était donc dans tous ces autres empires, effectivement, se sont concentrés dans le dernier. N'est-ce pas vrai? Amen. Bon, maintenant, souvenez-vous. Quel est le pays aujourd'hui, en fait, en Europe, qui a des situations tellement problématiques et difficiles, et qui fait que dans toute l'Europe, ça fait secouer l'Europe. Ça reste la Belgique? Non. La France? Non. Je sais pas moi. L'Allemagne? Non. Laquelle le pays? Grèce. La Grèce. Pourquoi la Grèce et pas un autre pays?
fait. Vous connaissez Alexandre, non? Ah, c'est nu dans nos accueils. Amen. Donc tu es venu, effectivement, tu t'es battu pour rien. Il me faut, il me faut, il me faut. Mais par contre, ton âme, maintenant, il est perdu. Je préfère que mon âme soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est sauvé, l'argent viendra. Amen. Je sais que c'est un moyen pour tout, mais ce n'est pas le but de ma vie. Non. Revenons au chapitre 13. Il dit, verset 12. Alors il dit, mais cette bête en question, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Il obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est le chapitre 13, non? Si vous avez lu, effectivement. Donc, alors vous voyez maintenant quelque chose qui se passerait, parce que je parle beaucoup dans le détail. Ce qui veut dire que la bête, là, que l'on voit ici au chapitre 13, verset 11, effectivement, elle était donc ce qu'on appelle la puissance mondiale internationale. Oui, non? C'est pour ça qu'étaient les États-Unis, non? N'est-ce pas vrai? Amen. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué que l'Europe devient de plus en plus beaucoup plus puissante. Et l'Amérique s'affaiblit de plus en plus. C'est sûr et certain, frères et sœurs. Parce que la Bible l'a dit, effectivement, ces derniers empires vont broyer, vont dominer, vont écraser, effectivement. Et l'Amérique, aujourd'hui, ne peut plus tourner en disant, mais moi, je prends le droit de faire. Non, il doit d'abord consulter l'Europe. Je dis, ok, oui. Elle doit consulter l'Europe pour que, si l'Europe est quand même d'accord, on doit travailler en concert maintenant, pour voir si on peut prendre une décision, d'où l'OTAN, comme vous le savez. Mais je continue, il dit, il dit, elle existait donc toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous vous souvenez? Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. À la vue des hommes, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disons aux habitants de la terre, de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Vous avez suivi les informations, non? Le pape a été où? Non, vous l'avez vu comment il marchait là, rien, là-bas. Et puis, mais c'est vraiment triste combien les gens peuvent être vraiment aussi. Je ne sais pas comprendre comment les gens peuvent arriver à un stade comme celui-là. Cet homme, il se promène bien avec son papa mobile, bien blindé, et il va là-bas avec une Audi, une Fiat, pour dire qu'on me voit ça. Mais regardez d'abord derrière, ça ne peut être rien. Il avait toute une garde qui l'entourait. Avez-vous déjà vu le Seigneur Jésus avec les gardes derrière comme ça? Non. Paul n'était même pas, Pierre n'était pas comme ça. Mais en fait, il montre une fausse humilité. Tout l'or et l'argent du monde est au Vatican. Amen. Ces gens avec l'argent, frère, vous allez y arriver si Dieu le permet. Frère, je vais répondre clairement à la question. Donc, en fait, on est en train, ils sont en train de séduire simplement les habitants du monde. Et, quelle humilité. Quelle humilité. C'est simplement pour voir vous. Et j'ai tellement la poudre aux yeux. Mais il a le moyen, les papas mobiles bien frustrés. Puis, si vraiment il devait être un pauvre, mais tout ce qu'ils ont en Vatican devait donner un pauvre. Vous pouvez voir effectivement qu'ils l'ont vraiment donné, effectivement. Donc là, il faut mettre une image à la bête, effectivement. En réalité, c'est que nous allons arriver à un système, comme nous pouvons le constater, effectivement, en réponse avec ce qui sont en train de pouvoir faire, c'est-à-dire les conseils économiques mondiaux des églises. Ça, vous savez déjà, effectivement, c'est une bonne erreur. Je ne sais pas ça que je voulais parler ce matin. Donc, je voulais montrer, effectivement, que là, les États-Unis ont démontré la puissance du feu. Et c'était où, en fait? Dans le Golfe. Où c'est? En Irak. N'est-ce pas vrai? Du côté de la Babylone. Et voilà que ils ont coupé la tête, effectivement, de ce président-là. Saddam Hussein, vous vous souvenez? Alors maintenant, quand ces choses sont passées, on contrôle effectivement de l'Irak. Avez-vous remarqué une chose? Aussi, faites attention. Il s'est passé un moment, un temps, il y a une secousse effectivement de là-bas, un certain monsieur qu'on appelle Amadi Atelier, etc. Vous connaissez, non? Vous connaissez bien? Il s'était le président d'où? De qui? Ah ben, ce sont des Perses. Les Iraniens sont des Perses.
Vous entendez? Médopès. Vous entendez? Babylone, Médopès. Vous avez entendu? Tous les Iraniens sont bien des Perses. C'est pourquoi on a parlé de l'empire, en fait, Médopès. Découvrez toute cette partie-là. Vous suivez? Ok. Alors là, ça secouait effectivement, ils se sont réveillés. Votre attention, s'il vous plaît. Le monde regardait. Oui, mais on, il parle effectivement de fabriquer la bombe atomique, l'uranium. Oh oui. Enfin, je vais vous dire une chose. Donc, on parle de l'uranium, effectivement, on parle de la bombe atomique. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je vais le temps de rencontrer là. Oh, parce que si ils ont la bombe atomique entre leurs mains, ça va créer beaucoup de problèmes. Rien tout là, ainsi de suite. Oui, moi je ne suis pas dans la politique. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que j'ai été au Pakistan, non? Vous savez que dans le pays musulman, on appelle le Pakistan la forteresse de l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que les Pakistanais ont la bombe atomique. Le Pakistanais que vous voyez ici, le Pakistan, ils ont la bombe atomique. Oui. Et là, c'était de... d'Iranien qui s'écouait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous pouvez avoir effectivement, il faut la bombe. La tension du monde a été focalisée sur l'Iran. Ça brûle et ça s'écoule d'une certaine manière ou d'une autre. Observez très bien, frères et sœurs, ce qui se passe de ces côtés-là. Je ne parle pas d'Israël. Parce que vous devez comprendre que quand on parle d'Israël, c'est mentionné dans les Saintes Écritures. Et ce qui se passe effectivement avec Israël. Toutes ces nations qui s'élèvent, effectivement, il y a quelque chose dont ils ont à voir effectivement dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous suivez? Amen. Je suis incertain. Amen. Regardez. Alors, comme je disais, effectivement, du côté de l'Iran, évidemment, du côté de l'Irak. Et puis bon, ayant manifesté cela, on sent que ça fait bouger ce côté-là. Et puis, écoutez bien, on a fait d'abord tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, voilà, on va gérer un peu l'Irak, effectivement, paf, l'Iran s'est réveillé de côté là-bas, la diplomatie commence à voir, c'est ce couloir gauche à droite. Vous avez remarqué? Observez bien. On a mis la main sur l'Irak, on a mis la main sur le pétrole, on dit, ah, maintenant on a la paix, Saddam Hussein est parti, tout va très bien, l'Amérique a montré que c'était le soldat du monde, d'abord. Paf! Les Perses s'élèvent. Négociation, négociation. C'était tout prêt parce qu'on voit même le navire de guerre romain des Russes et ainsi de suite. On a parce que c'était le combat. Blablabla. Même les canaux étaient être bouchés, fermés. Problème, ça va être explosé, explosé. Et puis qu'est-ce qu'on entend? Ah, on a trouvé quoi? Des accords. Pour qu'on puisse entendre maintenant avec l'Iran et l'Angleterre. Et là, même envoyé déjà. L'Angleterre a envoyé demain son ambassadeur là-bas. Donc, tout se passe bien, effectivement, maintenant, tout est calme. Pendant qu'on dit que le calme est ici là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez très bien, frère. Quand Dieu dit une chose, vous pouvez tout faire, ça va s'accomplir. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on dit qu'on a goûté l'effet, paf, on attend. Les mouvements islamiques, les califats, de l'islam. Daesh. Daesh. Ils sont où? Là-bas. Tous les pays, regardez frère, ouvrez bien vos yeux pour l'amour de Dieu. Ça n'a pas commencé ici en Europe, hein, ça n'a pas commencé là-bas en Afrique. Hein. Ouvre tes yeux, mon frère et ma soeur. Alors, ça commence à taper là-bas, effectivement, où c'est? Là-bas, dans le pays où c'est? Dans les pays arabes, non? Je ne parle du pays de l'islam, plus ou moins, si vous voulez. Irak! Donc, ce mouvement est sorti. Il a déstabilisé presque les nations du monde. Il avait une technique, effectivement, qu'il a, c'est qu'il frappe là, on envoie les troupes là-bas, il va frapper ici. Oui, vous n'avez pas remarqué, regardez très bien. Il frappe ici, et vous envoyez les troupes là-bas, il y a ici un trou qui s'ouvre ici. Vous envoyez ici, il frappe là-bas. Vous envoyez là-bas. Donc, ils embrassent tout, effectivement. Pourquoi? Pour quelle raison? Tout se
peuple-là, la grande majorité qui sont donc la partie effectivement des Chaldéens, qui sont donc l'Irak ici et la Syrie, pour qu'ils trouvent la possibilité d'entrer dans la forteresse de l'Europe. Parce que vous savez que l'Europe est une forteresse, non? C'est ça votre empire en main. Vous savez, non? Bien sûr que oui. Bien sûr, frère et ma sœur. Pour que la PC puisse arriver à pouvoir entrer dans le monde. Parce que ce peuple a été aussi qu'il faut entrer. Il faut contribuer à l'affaiblissement et finalement à la destruction du monde. Oui, mon frère et ma soeur. Oh, cher monsieur, tu es dans tes rêves. Hein, je vais poser la question aux hommes intellectuels. Philosophes, historiens. Nous ne sommes pas intellectuels, mais nous sommes des imbéciles. Hein? Alors, dites-moi, cet empire romain, avant que celui-ci soit, il y avait un autre, non? Vous vous souvenez, non? Allez lire dans les livres. Comment cet empire romain-là a chuté? L'histoire se répète toujours. Amen. Mais il faut observer les choses de la bonne manière. L'histoire se répète toujours. C'est sûr, mon frère. C'était aussi bien tracé, je veux dire, bien tracé, bien fortifié, bien édifié, ainsi de suite. Je vous l'ai dit l'autre fois. Mais si nous avons notre route aujourd'hui, nous avons hérité ça de qui? Mais c'est de l'Empire romain. Les hommes intelligents, les arts. Les meetings, le droit, ceci et cela. C'est hérité de qui? De l'Empire romain. C'est vrai, ça. Et comment est-ce qu'il a eu sa chute? Aujourd'hui, pour que ces peuples-là puissent entrer dans une forteresse, il fallait quelque chose qui soit suscité de l'autre côté là-bas. C'est ce que vous avez entendu. Ces mouvements de Daesh, ainsi de suite. Oui. Il fallait que tous ces bombes, tous ces choses, effectivement, aux yeux des nations. Oui. Je vais vous rappeler quelque chose pour que vous puissiez voir que c'est vrai. Vous vous souvenez que Israël n'existait plus? Est-ce que vous vous souvenez? Amen. On a appelé ça la Palestine pour que le nom d'Israël ne soit plus. Je parle d'Habacuc, hein? Chapitre 1, chapitre 2. Vous pouvez dire, mais je parle de la Palestine. Non, je ne parle pas d'Habacuc. Israël n'existait plus. Et l'Empire Ottoman, c'est à partir de l'Empire Ottoman que vous avez effectivement la mosquée d'Omar. Vous vous souvenez, non? Amen. C'est tout ça qui est effectivement responsable. Alors, comme Israël n'existait plus, donc était complètement... Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait dit dans la Bible que moi qui ai dispersé Israël, il a dit, nation, écoutez. Amen. Vous voyez que les nations devaient être les témoins. Amen. Jérémie 31. Amen. Moi, nation, écoutez, moi qui ai dispersé Israël. Je le rassemblerai. Amen. Même que je rassemble son troupeau. Amen. Personne n'y croyait ainsi. Mais le temps était arrivé. Amen. Où il y a eu un homme qui était, si c'était effectivement en Allemagne, du nom de Hitler. Vous connaissez cela, non? Amen. Hitler, sa colère et tout ça, parce qu'il y avait quand même d'autres nations, non? Mais il suivait seulement les juifs. Il y en avait après les juifs. C'était un fou. Hein? Dieu a suscité après une petite fois, tu dis effectivement pourquoi? Pour que le juif, réellement, qui sentait tellement si bien dans le monde, en disant, nous sommes maintenant assimilés aux nations. Non, vous êtes différents. Amen. Dieu avait fait la promesse à Abraham, vous ne pouvez pas vous assimiler aux nations, un peuple mis à part. Amen. Vous êtes tellement si bien, alors là, Hitler s'est levé effectivement, fouillé à gauche, à droite. Il fuit en Belgique, on frappe ici, il fuit en Pologne, on frappe ici. Il nous reste vraiment parti, effectivement. Ah, il n'y a qu'un seul endroit, approcher à Jérusalem. Amen. Amen. Voilà comment les guides de revenir à Sion. Amen. Oh oui. Amen. Parce qu'il n'avait pas d'autre endroit. On le pourchassait partout. Et là, on fait un petit pourquoi? Parce qu'il est canalisé pour retourner en Israël. L'événement qui a poussé les Anglais à faire cette percée qui puisse faire rentrer, effectivement, c'était quoi? L'Exodus. Ces bateaux dont on voyait comment les femmes et les enfants étaient tellement maltraités parce qu'aucun pays ne voulait accepter ces bateaux. Sans eau,
affamé, il dit, mais laissez-nous retourner en Israël. Amen. Alors là, quand les nations ont vu ça, ils étaient vraiment touchés sur des cales à nous faire. Les Anglais donnaient la possibilité. Ils avaient dit, mais oui, nous voulons donner, mais les Arabes nous tiennent. À cause du pétrole. Voyez-vous, les chrétiens ne sont pas bêtes, hein, pour venir qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent absolument rien. Amen. Dieu nous instruit. Amen. Vous pouvez dire que je suis devant les ignares. Non, Dieu nous instruit. Amen. Amen. On a l'impression d'être des ignares, mais le Saint-Esprit nous conduit. Hein. Amen. Alléluia. Et voilà que, pendant que les Arabes, effectivement, ne voulaient pas que les Juifs retournent dans leur patrie, parce que la Rédie, c'est chez nous, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne se rendaient pas compte que si cela, cette mosquée était là, cet endroit, c'est parce que Dieu l'avait déjà annoncé. Quand vous verrez l'abomination, vous voyez, établie dans le lieu. Vous voyez, non? Alors, pendant ce temps-là, l'exodus à gauche et à droite, les Juifs, effectivement, dans le monde frappé, effectivement, nous voulons avoir chez nous. À ce moment-là, on leur a dit non, on veut vous donner l'Ouganda. Si c'est dans l'île. Si c'est notre pays. Ok. Ok, ok. C'est dans son pays qu'on voulait envoyer les Juifs. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'elle serait. Ah oui, c'est là, Dieu. Ah, vous voulez, les amis, non, 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 il faut qu'on vous envoie en Afrique. Mais Dieu n'avait pas dit en Afrique. Amen. Il dit, je rassemble. Amen. Les nations se sont bâties. Et puis maintenant, la conclusion, c'est qu'il dit, bon, nous voyons que ce peuple souffre beaucoup parce que les informations ne parlaient que d'eux. Le fou crématoire, la porte crématoire, vraiment polie dans Auschwitz. Et Hitler les a bien fourris, là, bien les cheveux de femmes sous les couches de matelas. Vous me dites non? Ils ont souffert, 6 millions, comme des chiens. Des êtres humains comme vous et moi. Alors quand ils ont vu ça, ils disent, mais il faut, et puis on met pression sur l'Angleterre, effectivement. Ils disent, mais moi je ne peux pas parce qu'il y a le pétrole est là. Les îles, les rabbis, mais si vous, vous les faites. Vous ne connaissez pas la méchanceté des hommes, frère. Moi, j'ai vu ça. Je ne vous raconte pas l'histoire, parce que je le sais. Et voilà que la question était maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu avait dit, nation, écoutez, je rassemblerai. Il dit, mais on va apporter maintenant ces problèmes aux Nations Unies. Vous avez entendu? Nations Unies. Nations Unies, ça veut dire quoi? Les nations unies ensemble, ils doivent être témoins. Vous avez compris? Amen. Alors on va maintenant voter quoi? Le partage de la Palestine. Vous suivez? Amen. Oui. Comme ça, on n'allait pas dire, on va dire, oh, ce sont des ignorants, ils ne savent rien. Vous devez mettre au courant. Amen. Savoir que quand vous voyez ces événements, le Seigneur a dit, mais quand vous verrez Jérusalem investie, sachez que son temps est proche. Amen. Et fouiller à ce moment-là. Et si vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas fouiller, hein? La mort vous surprend. Et voilà que pendant qu'ils étaient là, les Arabes ont fait pression au conseil de l'ONU, effectivement, en disant, ah, ah, si vous, vous votez le partage de la Palestine et que le juif peut avoir l'endroit, eh bien, nous, le pétrole, nous allons fermer le robinet et quand vous avez besoin de pétrole, eh bien voilà. Donc le sort était scellé. Le sort du juif était scellé, donc on ne voulait pas faire le partage en fait. Voilà qu'est-ce qui s'est passé, ce que quelques envoyés qui étaient là ont dit, mais pourquoi nous nous tracassons? Ils parlent, nous voyons comment il faut être des accords, effectivement, pour que nous ne puissions pas avoir notre terre, notre partie, effectivement. Eh bien, nous avons un instrument que Dieu nous a donné. Prenons les Écritures. Lisons la Bible, montrons-leur que nous descendons d'Abraham, que cette terre était donnée à Abraham. Dans les psaumes, dans la parole de Dieu, effectivement, oui, mon frère et ma soeur, là, allons-nous. Ils ont commencé à pouvoir lire les Écritures. Amen. Pour ceux qui étaient là. Vous qui pensez que la Bible n'est rien du tout, elle est la puissance. Amen. Ils ont lu les Écritures. Là, allons-nous. Quand ceux qui avaient le cœur tourné vers le pouvoir dire, mais non, on ne peut pas, lorsqu'ils ont entendu les Écritures, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est comme cela qu'ils ont voté le partage pour que maintenant les Juifs puissent avoir maintenant une
la terre à eux. C'est comme cela qu'ils ont eu cette partie. Donc, ils sont donc rentrés chez eux. Donc, il a fallu des événements qui bougeaient à gauche, à droite, pour que maintenant l'action se passe et puisse avoir leur percée. Mais pour que ce peuple-là rentre dans l'Union, dans l'Europe, effectivement, il fallait qu'il y ait une pression d'aller à gauche et à droite, effectivement. Alors maintenant, les Irakiens, les Syriens, les Afghans, ainsi de suite, ils peuvent rentrer aussi, mais dans la forteresse. Ils ne viennent pas un, ils viennent en masse, pour que vous puissiez voir aussi de vos yeux que là, il y a quelque chose qui s'est fait, frère, à moins qu'on soit avec ma soeur. Depuis l'histoire des temps, on n'a jamais vu de masse aussi comme ça. Et puis, dans un territoire bien fermé, hermétiquement, et ils viennent en masse, ils disent, nous allons entrer. Puis on trouve là, vous savez, ça c'est triste, c'est un flux migratoire. Mais observez très bien, mon frère. Ça, ils rentrent effectivement avec ce qu'ils sont. Vous avez un peuple furibond, un peuple tellement, mais il dit, mais sa force n'est que son Dieu. Mais quand vous entendez quelqu'un qui peut se mettre autour de sa reine, vous allez le dompter comment? Avec votre religion, il a sa religion. Qui lui dit que. Vous avez déjà remarqué que un musulman, quand il regarde vous, il vous trouve une bouteille de chien. Un non-musulman, c'est un kafir. Kafir, c'est un chien. C'est-à-dire que lui, là, le non-musulman, tu peux le voler, tu peux tuer, tu peux te faire, tu ne pêches pas devant l'islam. Vous allez dompter quelqu'un comme ça? Vous avez noté, d'ailleurs, ils sont, parce que vous avez noté, non, ils sont ici, mais en fait, quand, je ne vais même pas rentrer en détail. Mais c'est pour dire qu'effectivement, qu'il y a quelque chose que nous devons arriver à être conscients. Ma soeur m'a posé la question. Est-ce que nous allons être dominés par l'islam? Vous voyez, ma soeur, la réponse est la Bible. Oui. Vous n'avez pas à pouvoir perdre l'islam? Non. Non. Ah frère, mais comment est-ce possible? Mais bien sûr que vous n'allez pas pouvoir avoir peur de l'islam. Non, non. Allez, l'islam a eu son temps. Vous n'allez pas pouvoir avoir peur de l'islam. Celui dont vous devez arriver à pouvoir prendre garde et regarder bien, vous savez c'est qui? Eh bien, c'est ça, hein? Chapitre 17 à 10. Chapitre 17 d'Apocalypse. Verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Amen. Si vous avez entendu, alors vous vous souvenez que les quatre animaux, sortez d'où? Sortez où? Ah! Et la bête du chapitre 13, sortez d'où aussi? C'est elle qui concentrait tous les démons, non? Alors maintenant, ici, on nous dit que je vais te montrer, je dis, mais oui, un instant, c'est le 7 ou 20, mais c'est la dit, disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Assise sur les grandes eaux. Vous entendez ça? Maintenant, nous continuons. Il dit, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont donc enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Et cette bête était pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Vous avez entendu? Amen. Chapitre 13, c'est la même bête, non? Amen. Mais cette femme était assise sur la bête. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous montez sur un cheval. Qu'est-ce qui conduit le cheval? C'est lui le cheval ou bien c'est vous? Donc celui qui est sur la cheval maîtrise toute la puissance de l'animal. Donc celui qui, quand il touche, tire vers la droite, la gauche, le cheval va à gauche. Tire la droite, effectivement. Donc la puissance du cheval est maîtrisée par celui qui est au-dessus. Celui qui conduit tout, en fait. Alors lui, il est assis. Non, il est assis, effectivement, sur la bête. Cette bête, effectivement, il dit ceci, est assise sur une bête pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et des cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or. Alors on dit qu'elle est pauvre, misérable. Non, non.
et des pierres précieuses et des perles. C'est pas avec la petite fille de 500 ou 800 qu'on peut nous dire qu'effectivement on est pauvre. Là où on décrit, c'est qu'il est. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la fille de 504, je pense, 505, la petite qu'on a montée là, ça c'est simplement pour jeter le fumigène. Elle a beaucoup d'argent. Elle a des perles précieuses, effectivement. Écoutez bien, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés en prostitution. Sous son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voilà celle dont nous avons à faire, effectivement, et celle dont le monde doit arriver à pouvoir réellement réaliser, effectivement, parce que sous la coupe, si vous remarquez très bien, c'est pas très bon. N'avez-vous pas réalisé, frère? Si vous avez suivi les informations, quand il est parti aux États-Unis, regardez-moi s'il vous plaît. Vous allez partir. Quand il est parti aux États-Unis, je parle bien de pape, hein? Parce que je sais que c'est pape. Donc, quand il est parti aux États-Unis, avez-vous remarqué qu'il a été accueilli? Mais qui sont ceux qui étaient autour de lui? Les représentants de toutes les religions presque. Amen. Que ce soit les islamiques, judaïque, ainsi de suite, effectivement, indienne, et tout ce que vous pouvez avoir, effectivement, tout ce que vous pouvez avoir, effectivement, ils étaient là. Donc, c'est le seul qui est respecté et craint par toutes les religions. Avez-vous remarqué? Quand un président, qui soit d'un cabinet, vient au pouvoir, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Il va au Vatican. Pourquoi va-t-il au Vatican? Le président, il est collègue que celui du Vatican avance, mais c'est lui qui dit qu'on veut les lire, il doit monter. En plus, quand on va, vous remarquez que quand on va le voir, la femme du président doit être voilée en noir. Habillée en noir. Et voilée aussi en noir. Et d'après ce qu'ils disent, quand vous le voyez, vous ne pouvez jamais lui tourner le dos. Quand vous l'avez vu, vous devez reculer. Oui, mes frères et sœurs, en fait, ce que le monde ne voit pas très bien, c'est que, je l'avais dit ici une fois, nous sommes dans un empire qu'on appelle l'Empire romain. Avez-vous vu l'Empire sans qu'il y ait en fait un empereur ou un roi? Il faut bien qu'il y en ait un. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais cette femme qui chevauche la bête, c'est elle qui domine, non? C'est elle qui conduit effectivement tout. C'est elle qui démontre effectivement. Donc, le cause du Seigneur. Si vous remarquez très bien, je vais terminer. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine mondial, dans le domaine politique, dans les domaines religieux, tout ce qui se passe vise un seul groupe. Vous connaissez lequel? À vos yeux, quand des gens viennent ici et disent, mais ce sont des personnels, à vos yeux, vous ne voyez que de rien. Mais Satan, lui, sait qui vous êtes. Amen. Amen. C'est pas de toi et de moi que Satan a peur. Satan, il a peur de ça. Amen. Ça en vous. Amen. Bien sûr, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que les lois qui sont prises aujourd'hui sont contraires à ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'elle sort de l'abîme, elle retourne à l'abîme. Elle dit que tout ça pour que toi qui veux se tenir dans la parole de Dieu, tu puisses ne pas voir la possibilité de te tenir. Pourquoi? Parce que quand tu sors de là, Satan y a l'occasion. Donc, le combat aujourd'hui, écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Le combat aujourd'hui, de par le monde, se contre le peuple véritable de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Si Satan ne peut encore arriver à pouvoir réellement déployer toute sa force,
mais c'est parce que l'épouse de Christ est encore sur la terre. Amen. Amen. Chapitre 12 d'Apocalypse. Oui. Le dragon cherche. Pour que tu veux dire que cet homme ici nous raconte aussi des âneries. Chapitre 12, regardez. L'Empire, le monde actuel, vous me suivez d'abord, est sous la domination de qui? De Satan. Parce que nous l'avons lu avec vous au chapitre 13, il dit, la Bible dit ici, il dit, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc c'est le dragon, c'est Satan lui-même, n'est-ce pas? Qui domine surtout, effectivement, qui pousse les gens à prendre ces lois que vous avez aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, les gens qui sont des francs-maçonneries, la sorcellerie, vous voyez des enfants qui vont dans, pour se déguiser, un papa qui achète une tête d'un monstre, d'un sorcier pour son fils. Et il déguise-toi parce que c'est carnaval, tout ça, non? Carnaval, et puis les autres, effectivement, c'est des morts, des têtes de morts, effectivement. Et vous donnez ça à votre enfant pour qu'il puisse arriver à se déguiser. À l'époque, on ne pouvait jamais faire une chose pareille. Pourquoi? Aujourd'hui, on a banalisé le péché. On a banalisé, effectivement, les démons. Et même les gens qui disent, ah, j'ai mon démon qui me suit, qui est avec moi. Donc, on fait des choses comme ça pour que les enfants, les êtres humains, se familiarisent avec les démons. Est-ce que vous comprenez? On est plus loin. Prenez, regardez bien. Dans le chapitre 12, l'Écriture nous dit, Apocalypse, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail, dans la douleur de l'enfantement. Vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qui est écrit ici? Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Rouge feu, ayant quoi? Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, cette diadème. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle quelque chose? Amen. Mais chapitre 13, la paix, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous suivez ce que vous entendez? Amen. Vous me regardez comme si c'est la Bible est claire. Donc, ayant, il dit, c'est le dragon du Massilien, donc voici donc, c'était un grand dragon rouge au feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sous cette tête, effectivement, 7 diadèmes. Nous l'avons lu avec vous, non? Amen. Dans les temps de ce roi-là. Vous souvenez? Amen. Ok, maintenant, regardez. Si cela est. Ça veut dire que l'empire tout entier, c'est le seul Satan, non? Oui. L'empire sur lequel nous sommes. Oui. L'empire romain, parce que c'est ce que tu as dit, non? Oui. Voilà, regardez bien. Donc, et par exemple, donc, voici un grand dragon rouge au feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et cette tête, c'est diadème. Donc, Satan est vraiment plein dans son royaume. Pas son royaume, l'identifie lui. Oui. N'est-ce pas vrai? Maintenant, comme je disais avec le monde entier sur le monde de Satan, qu'est-ce que le monde combat? Tout le droit, le politique, il combat qui? Regardez très bien. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et j'étais sur la terre. Les dragons s'éteignent devant qui? Devant qui? Vous avez entendu? Devant la femme qui allait enfanter en fait de faire quoi? Ah, maintenant, vous comprenez toutes les lois, tout ce qu'on peut prendre effectivement dans cet empire, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est contre l'épouse de Christ. Donc le dragon, il ne vise pas quelqu'un d'autre, mon frère. C'est toi qui le vise. Oh, le secours, le chômage là-bas. Écoutez très bien, frère. Écoutez, s'il vous plaît. Le chômage, il n'y a pas d'emploi. C'est vrai. Mais en fait, la personne qu'on vise à pouvoir bien toucher, effectivement, c'est toi. Mais frère et soeur, Satan ne peut pas combattre ses adeptes. C'est toi que Satan vise. Amen. Alors, mais toi, tu dois savoir que, puisqu'il te vise, toi, tu dois savoir quelle est ta position. Amen. C'est pourquoi tu dis, mais on va faire notre épice, il ne faut pas trembler. Amen. Le Dieu que je sers m'a donné la foi. Amen. Et si c'est à Satan d'une fois faire, Amen. Il fuira loin de vous. Amen. Parce que le combat, c'est contre toi. Amen. Les autres vont faire les compromis à gauche, à droite, et soudoyer, mais toi, tu ne peux pas le faire. Il dit, on va le voir lui maintenant. Alors toi, reste dans la parole. Amen. C'est ton âme à toi. Avec ça, il était ensemble. Pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. Mon frère et ma soeur, toi en tant que fils de Dieu, tu ne pourras jamais manquer le pain. Non. Jamais. Tu ne pourras pas manquer de toi. Non. Amen. Dieu pourvoira pour toi. Amen. La maison, la nourriture, les vêtements et tout. Amen. Parce qu'il a dit, il prend soin de toi. Amen. Le combat est là, mon frère. Il faut des vainqueurs. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, puisque tu as gardé
la parole a persévéré en son nom. Je te garderai aussi. Amen. À l'heure de la tentation, tu vas éprouver le monde entier. N'oubliez jamais que tout ce qu'on vise dans toutes les décisions qu'on prend, ce n'est pas les autres. C'est toi. Parce que les autres savent effectivement comme ça passer par ceci à gauche et à droite. Mais toi, tu ne cherches pas des voies. Le moyen, c'est que tu as un seul recours. La parole de Dieu. Amen. Et tout ce qu'on fait, c'est pour te pousser à ne pas tenir compte de cette parole. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons entendu. Avant que le monde soit, nous étions, en fait, notre précieux frère l'a dit tout à l'heure. La parole manifestée. Nous sommes les attributs de Dieu manifestés. Donc, sur la terre où nous sommes, ce n'est pas quand vous allez le psaume pour vous lire, hein, je bénis Dieu, parce que le frère a lu le psaume qu'il fallait. Quand il a dit que vous êtes de Dieu, vous avez la nature divine. Amen. Ça veut dire qu'effectivement, que nous sommes aussi une partie de la parole. Amen. Amen. Ce que la parole de Dieu est en nous. On ne peut pas faire le compromis avec la parole. On peut chuter dans le péché, ça arrive à tout le monde. On peut tomber, mais nier la parole, impossible. Amen. Non, parce que ça fait partie de nous. Parce que nous étions dans les ténèbres. Quand la lumière a lu, nous avons reconnu. Alors maintenant, vous devenez en fait des cibles. Pourquoi? Parce que... Vous avez vu que on a posé la question au sentinelle. Que dis-tu de la nuit? C'est la nuit, non? Alors que nous sommes appelés à pouvoir être des lumières, non? Les ténèbres couvrent la surface de la terre, mon frère. Là, c'est la Odyssée, vous avez vu, non? La couche de la terre est tellement si grande. Mais toi, tu dois briller, en fait. Amen. En fait, la lumière, elle devient importante quand les ténèbres sont épaisses. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc toi, plus le monde devient ténèbre, alléluia, plus tu Amen. Plus ce sont des tellement difficiles, plus tu manifestes. Alléluia. La vie de Christ en toi. Et quand les gens disent c'est impossible, toi tu dis tout est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Elle est ma soeur. Amen. La puissance que Dieu t'a donnée, Satan ne peut pas l'avoir. Amen. Parce que le Seigneur a dit, voici, je donne le pouvoir sur toute la puissance. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. On l'a appelé un héritier. Amen. Donc, Dieu étant ton père, tu as la nature. Alléluia. Parce que tu l'as, le monde dans lequel tu es, quand toi tu passes, il reconnaît. Amen. Voici le maître, Amen. Voici le fils, parce que la terre, la nature entière, soupire après la manifestation du fils de Dieu. Amen. Et c'est toi. Amen. C'est toi, mon frère. Amen. C'est toi, ma soeur. Alléluia. Le monde reconnaît qui tu es. Amen. Le soleil reconnaît qui tu es. Amen. Parce que Jésus a dit, soleil, arrête-toi. Alléluia. Le soleil s'est arrêté. Amen. Parce qu'il a reconnu qui était donc cette personne. Monsieur Sauveur, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons glorifier ton Saint-Nom parce que tu es digne d'être adoré. Oh Dieu merveilleux, notre Dieu. Dieu glorieux, mon Maître béni, Père Saint. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, mon Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui nous éclaire pour que nous puissions prendre une position ferme, mon roi. Parce que
donner à toi nos cœurs et nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole que nous avons entendue. Oh oui, notre Père, tu es réellement le grand maître, tu es celui qui nous enseigne éternel. Tous les jours devant toi, Seigneur, nous sommes comme des disciples devant leur maître, mon Sauveur. Tu nous donnes réellement cette parole, cette nourriture autant convenable, mon Sauveur. Si tu as parlé, oh Seigneur, encore plus clairement aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que toi, tu connais les temps, Seigneur. Apprends-nous à bien compter nos jours, Seigneur, parce que le jour approche, mon Dieu, mon Roi. C'est vrai, Seigneur, chaque jour qui passe nous rapproche de toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous voulons réellement être prêts, oh notre Dieu, réellement sonder les temps éternels, voir, Seigneur, tout ce qui nous entoure, mon Père, afin de ne pas être surpris, mon Sauveur, à cause de ta grâce, notre Dieu. Tu es réellement un Père qui parle à ses enfants. Tu ne veux pas, Seigneur, tu as dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Seigneur, tu apportes réellement la parole, la nourriture autant convenable, notre Dieu. Tu veux que nous soyons éclairés, Seigneur, tu veux que nous puissions être avertis. Oh Seigneur, tu as placé tes sentinelles, mon Sauveur, le véritable sanglot, la véritable sentinelle, c'est toi, notre Dieu. C'est toi qui veilles sur nos âmes, c'est toi qui veilles sur nos vies. Oh, c'est toi, par ton Esprit Saint éternel, le Saint-Esprit nous garde réellement, il nous convaincra du péché, de justice et de vérité. C'est lui qui nous éclaire, mon Sauveur, c'est lui qui nous réveille, mon Sauveur, c'est lui qui nous secoue quand nous sommes un peu endormis, notre Dieu. Tu viens nous réveiller, Seigneur, au travers de tes serviteurs, mon Dieu, mon Roi. Béni soit ton Saint-Nom, mon Sauveur. Jamais assez nous te louerons, jamais assez nous t'exalterons, Seigneur. Tu veux réellement notre bien. Tu as commencé une œuvre merveilleuse, mon Sauveur. Certainement, mon Sauveur, tu nous feras rentrer de notre côté, notre Dieu. Aucun démon ne pourra nous empêcher de pouvoir réellement rentrer dans ta présence, mon Père. Louange et honneur à toi. Bénis ton serviteur par la bouche que tu nous as parlé. Bénis notre pasteur, mon Dieu, mon Roi. Combien cette responsabilité est grande, mon Sauveur. De jour après jour, Seigneur, nous réalisons cela, notre Dieu. Les questions qui viennent et diffusent dans tous les sens, mon Sauveur. Il a besoin de toi, mon Sauveur, pour être éclairé, Seigneur, pour que ta lumière lui soit réellement donnée, pour que ton peuple se soit éclairé, mon Sauveur. Bénis-le, mon Sauveur, bénis sa maison. Oh Seigneur, souviens-toi de chacun de nos pères. Nous ne voulons pas être des lutteurs oubliés, mon Père, mais que ce que nous avons reçu ce soir, demain, mon Sauveur, et que cela porte du fruit, mon Dieu, mon Roi, que nous serons des hommes et des femmes éveillés. Oh oui, des hommes et des femmes vigilants, comme des vierges sages, mon Sauveur, ayant la lampe, mon Sauveur, mais aussi de l'huile en réserve, mon Sauveur. Accorde-nous cette grâce, notre Dieu. Merci pour ce que tu fais parmi nous, Seigneur. Ce temps est tellement glorieux. Oh Seigneur, tu veux réellement te manifester, Seigneur, au travers de ton épouse, mon Sauveur. Cette épouse parole, mon Sauveur, qui dira et la chose arrivera comme toi tu l'as fait, Seigneur. C'est ce que nous voulons et nous désirons, notre Dieu. Enlève ce qui nous enveloppe, si facilement, Père. Enlève, Seigneur, ce qui nous décourage, oh Dieu. Enlève ce qui nous distrait, mon Sauveur. Que nos yeux et nos regards soient fixés sur toi, Seigneur. Car c'est de toi que vient réellement notre délivrance éternelle. Sois loué, notre Dieu. Sois glorifié, oh Père. Les nations se disloquent, mon Sauveur. Mais ceux qui sont à toi se préparent, mon Dieu. Parce que bientôt, très bientôt, tu reviens pour nous chercher. Et avant cela, Seigneur, tu dois manifester ton épouse éternelle. Sur la terre, les hommes doivent témoigner que tu as certainement un peuple au travers de qui tu te manifestes, mon Sauveur. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Accorde-nous réellement ton secours éternel. Et que ton Saint-Esprit nous soit donné, Seigneur, pour que nous puissions marcher comme toi tu le veux, éternel. Nous te louons, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous chantons les 48 dans les phares. Les 48. Les nations se disloquent. Israël se réveille, les siècles des prophètes prédisent. Tout le monde manque, tous les rôles, bientôt sera béni.
et reviens bientôt pour nous chercher. Préparons-nous réellement à sa rencontre. Et Dieu nous bénisse tous, qu'il bénisse réellement la parole qu'ils ont entendue et qu'il bénisse aussi son serviteur. Amen. Je vais demander. Je vais demander à mon frère Rosario de venir récolter les offrandes pendant que ma sœur Gloria la chante. Nous allons prier nos souvenirs de cette garde que Dieu accorde vraiment la grâce. Prions le Seigneur.
Tendre Père Céleste et notre Dieu, devant toi nous nous tenons avec l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, de chasser les démons, de chasser les esprits mauvais, cet esprit mauvais qui pour cet homme, Seigneur, envoie se séparer de sa femme, mon Père. Toi tu as dit que personne ne sait pas ce que toi tu as dit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous chasserons cet esprit mauvais qui aimant tout cet homme, mon Dieu, à se séparer avec sa femme. Seigneur, nous prenons autorité et nous proclamons la victoire, notre Seigneur, dans ce mariage. Accorde la grâce, mon Sauveur, parce qu'elle croit réellement que toi, tu es capable, mon Sauveur, de changer, Seigneur, les destinées de son mari. Oh Seigneur, tu l'as déjà fait pour plusieurs, Seigneur, mon Dieu. Oh Père, les témoignages et grands, mon Sauveur. Accorde la grâce, mon Sauveur, à cette dame, Seigneur, à Jeanne, mon Sauveur, qui est là aux États-Unis, mais qui est unie avec nous dans la prière ce matin, qui croit réellement que toi, Seigneur, tu es capable de toucher le cœur de son mari. Accorde la grâce, mon Dieu, mon roi, de pardon de tout auprès de toi, afin qu'on te crée, mon Dieu, mon roi. Seigneur, et quand ta main puisse en ton Dieu, change les décisions, le goût de l'histoire, mon Dieu. Et également cette femme qui, Seigneur, davantage s'approcher à toi, Seigneur, et savoir que le Dieu que nous prions est un Dieu qui est vivant, Seigneur. Oh, touche le cœur de cette femme et ta mère. Enlève cette dureté dans son cœur, mon Père. Qu'il soit réellement très touché, mon Père, par l'amour, Seigneur, mon Dieu, et l'affection, Seigneur, mon Dieu, que sa femme lui donne, mon Père. Accorde la grâce, mon Seigneur. Tu vois combien cet homme s'acharne, mon Dieu, pour chercher à détruire, Seigneur, mon Dieu, la cellule familiale, mon Sauveur, parce que c'est là que tu viens de cette bénédiction, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, prends autorité, mon Dieu, contrôle toutes choses, mon Père, que toutes les portes de l'ennemi soient fermées, mon Sauveur, que tu prennes un chemin, mon Sauveur, pour que réellement ce couple puisse te glorifier, Seigneur. Oh, réjouis vraiment le cœur de mon frère et ma mère, parce que Seigneur, mon Dieu, c'est un peuple aussi peine qui s'est réellement approché avec cette requête, mon Sauveur. Nous savons que toi, Seigneur, notre Dieu, tu es le faiseur de l'impossible, mon Sauveur. Tu guéris encore aujourd'hui, Seigneur. Tu restaures le mariage aujourd'hui, Seigneur. Tu bénis encore aujourd'hui, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons avec foi, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur, notre Dieu, aussi d'avoir gardé notre frère Arnaud, qui a réellement fait un bon voyage depuis la Bulgarie jusqu'en France, et que le Seigneur accorde aussi les circonstances pour que nous puissions nous revoir ici à Bruxelles. Prions pour notre frère Arnaud. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions, Père, parce que tu es réellement le maître des temps et des circonstances, mon Dieu. Nous te remercions d'avoir béni notre frère Arnaud. Il est bien arrivé en France, mon Sauveur. Oh, accorde-lui réellement de la force, mon Sauveur, de pouvoir rester toujours accroché à toi. Que ta parole soit une lampe pour ses pieds, une lumière sur son sentier, Seigneur. Qu'il puisse marcher avec toi, comme les disciples ont marché avec toi, comme nous aussi nous marchons avec toi, éternel. Accorde-lui réellement ta grâce, mon Sauveur. Souviens-toi de lui dans son stage, mon Dieu. Pendant tout le temps qu'il va passer en France, mon Père, permets aussi, Seigneur, dans ta bienveillance, de pouvoir faire en sorte que nous puissions nous revoir, notre Dieu. Cela sera également la joie de chacun de nous, mon Dieu, de pouvoir nous voir, tendre Père. Bénis-le, le soutien fortifié, éternel. Pourvoi ses besoins, Seigneur. Tu connais réellement les désirs de son cœur, éternel. Accorde-le réellement, c'est ta grâce, mon Dieu. Garde-le, protège-le, humilié. Accorde-le réellement ses faveurs, dans le merveilleux nom. Bénis tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui nous ont suivis, oh Dieu, en ligne, mon Père. Ce matin, certainement, nous avons été richement béni, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, nous voulons rester accrochés à toi. Seigneur, unis-nous encore davantage, mon Sauveur, que ce que Satan est en train de vouloir faire, Seigneur. Oh Seigneur, dans le soubassement, mon Sauveur, que son œuvre soit anéantie, mon Sauveur. Parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Seigneur. Qui nous a aimés, Seigneur, alors que nous n'avons même pas encore fait le bien ni le mal, mon Sauveur, parce que nous étions en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous avons péché, Seigneur, tu n'as pas hésité, Seigneur, de descendre éternel, mais de venir réellement nous racheter, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en toi, éternel. C'est ce que tu as voulu, éternel. Accorde la grâce, notre Dieu. Unis-nous encore davantage dans le lien, Seigneur, mon Dieu, que tu nous as donné réellement au travers de ce sang que tu as versé sur la croix de Golgotha pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Que Satan n'ait plus aucune place, mon Sauveur, au milieu de nous, notre Dieu, parce que nous sommes le peuple de Dieu, ce que toi, tu as choisi, éternel, et que tu as mis en bas, mon Sauveur. Que toute inimitié soit ôtée, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, Seigneur, soit ôté du milieu de ton peuple, mon Père. Que nous puissions vraiment nous régaler comme étant des frères et sœurs en Jésus-Christ, comme des fils et des filles de Dieu, Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, combien Dieu merci.
merveilleux, Seigneur. Accorde-nous cette grâce éternelle de réaliser ce que nous sommes réellement en toi, Seigneur Jésus. Oh, si nous réalisons cela, Seigneur, plus rien ne pourra nous empêcher de vivre comme tu le veux, Seigneur. Parce que nous sommes la dame élue, le peuple que Dieu a choisi pour réellement manifester sur la terre éternelle. Il est le Dieu très haut. Merci pour ta grâce éternelle. Merci de nous ouvrir les yeux éternels, de réaliser que nous sommes réellement bénis de toi. Louange et honneur à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Soutiens, fortifie nos pères. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur se loue. Je vais demander à ceux qui sont ici pour la première fois de bien vouloir se tenir debout. On va juste vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis-vous, s'il vous plaît. Je vais commencer par ma sœur juste derrière. Juste votre nom et d'où vous venez. Je m'appelle Mama Deborah. Je prie à l'église des Silos et je suis venue pour soutenir Frère Jacques. Ah, et Seigneur te bénisse. Maman, c'est la sœur Deborah. Juste devant moi. Oui, donc c'est Olivier, c'est ça? Frontalière française avec Jacques qui est ici présente, et je remercie l'Assemblée de Dieu. Que le Seigneur te bénisse réellement. Vous avez entendu la parole de Dieu, et que le Seigneur vous accorde réellement ce que vos cœurs désirent, et que cette parole que vous avez entendue réellement demeure et travaille aussi dans votre cœur. Notre frère Jacques, tout le monde le connaît, je veux bien te présenter. Tu n'as pas besoin de te présenter, mon frère. On te connaît, si tu veux bien, oui. Amen. Le Seigneur bénisse. On va prier pour nos frères. Tant de Père Céleste et notre Dieu. Dans ta maison, il n'y a point de hasard, mon Sauveur. Tu connais toutes choses, notre Seigneur. Aujourd'hui, il t'a plu, mon Sauveur, de conduire les pas, Seigneur, notre Dieu, de notre frère Olivier, Seigneur, et ainsi que notre soeur Déborah, Seigneur, mon Père, ainsi que notre frère Jacques, ton serviteur, mon Père. Seigneur, souviens-toi d'eux, notre Dieu. Ils sont venus et c'est éternellement une bénédiction pour chacun de nous, notre Seigneur. Nous prions, Père, que réellement le lien qui nous unit en Jésus-Christ puisse réellement s'étendre encore davantage. Cette parole, Seigneur, cet évangile du royaume, cette bonne nouvelle, mon Sauveur, puisse réellement demeurer dans leur cœur, mon Dieu, et que cela porte du fruit qui demeure, et du fruit digne de la repentance, mon Sauveur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle, que tu feras des grandes choses, notre Dieu. Tu as entendu aussi la requête de notre frère Jacques pour son fils Jonathan. Accorde la grâce, Seigneur mon Dieu, à son fils aussi, Seigneur, de suivre les pas de son Père, mon Sauveur, oh, de se crocher à toi, Seigneur, et de te servir, toi, le Dieu véritable, mon Sauveur, dans toute la vérité, Seigneur, et dans la lumière que toi, tu nous as donnée en ce temps de la fin. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, bénis son épouse éternelle, bénis son ministère aussi, Seigneur, accorde-moi la grâce, souviens-toi de chacun de nos pères, nous nous abandonnons à toi, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je vais demander à Sœur Edith. C'est vrai que tu n'as pas encore chanté. Tu chanteras tout à l'heure. Ça serait bien si tu chantais hein, qu'il est bon de louer le Seigneur. C'est vrai qu'on te demande de chanter tout le temps, mais nous avons de bonnes raisons de louer le Seigneur. Il a réellement fait des grandes choses. Que Dieu nous bénisse tous richement. Si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le mardi avec autant de zèle et d'empressement pour venir louer et glorifier notre Seigneur. Je vais demander donc à mon frère de venir prier pour congédier l'Assemblée et de prier aussi pour les offrandes et les dîmes que le peuple de Dieu a apporté. Devant nous, nous allons prier. Père Très Saint, nous venons dans ta présence au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné pour t'approcher. Amen. Nous venons en ce nom croyant que nous sommes acceptés. Seigneur, nos fardeaux seront déposés à tes pieds et que nous allons, Seigneur, quitter cet endroit léger comme une plume, sachant, Seigneur, que la délivrance vient de toi. Amen. Merci, Seigneur, de la façon dont tu nous as parlé.
Oh Père, nous croyons que la révélation est une grande chose, Seigneur, un élément de grande importance pour ton peuple. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé dans la révélation prophétiquement, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer, car les jours sont très mauvais. Seigneur, nous te remercions pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour répondre aux questions, pour pouvoir, oh Dieu, faire dissiper toutes les zones d'ombre, Seigneur, par rapport à ce qui se passe, oh Dieu, car nous croyons que les événements modernes ont toujours été rendus clairs par la prophétie. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour un pasteur sentinelle que tu as placé sur la tour afin de pouvoir veiller, voir et avertir le peuple des dangers imminents. Merci Seigneur, nous croyons réellement que tu nous as agréés et que tu as béni cette parole dans nos cœurs et que nous sommes en train de repartir bénis, satisfaits, joyeux pour affronter les problèmes de la vie avec joie, sachant que tu es notre Dieu, sachant que ta victoire est notre victoire. Les enfants s'étaient sacrifiés, Seigneur. D'autres ont brûlé du carburant pour arriver en cet endroit. D'autres ont payé le transport pour arriver ici, Seigneur. Quels sacrifices ils ont consenti. Et nous savons qu'à cela sont liés de grandes bénédictions. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous accorder au-delà de nos besoins. Parce que toi, tu es Dieu qui prend toujours soin. Permets, oh Dieu, que tu puisses aussi, oh, bénir ton peuple qui était en ligne ensemble avec nous, Seigneur. C'est un sacrifice pour d'autres, ils peuvent paraître comme fous. Oh Seigneur, devant un écran d'ordinateur, en train de suivre un programme à distance, Seigneur Dieu, cela peut paraître comme une folie, mais nous croyons, Seigneur, que toi tu te sers de ces outils de la science pour pouvoir te glorifier et répandre ton évangile. Nous croyons, Seigneur, que partout où ils ont été, tu les as touchés, tu les as bénis comme tu l'as fait pour nous. Tes enfants, Seigneur, ont amené des dîmes et des offrandes. Ô Père, pour soutenir la cause du royaume, j'ai pris, Seigneur, que tu puisses les bénir, parce qu'en les faisant ainsi, ils t'ont mis à l'épreuve. Toi, tu as dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je ne bénis pas, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Seigneur, tu as dit que pour nous, tu vas menacer les destructeurs. Menace les destructeurs de la vie de tes enfants. Menace les destructeurs des foyers de tes enfants. Menace les destructeurs des travaux de tes enfants. Afin que, Seigneur, il ne manque pas à porter à la maison du trésor. Afin que cet évangile puisse aller encore loin. Permets, Seigneur, que maintenant que nous quittons ta maison pour regagner nos maisons respectives, que l'ange du Seigneur qui était ici avec nous marche avec nous et éloigne ton peuple, Seigneur, de tout danger et de tout ce que le diable a placé sur notre chemin. Afin que, oh Dieu, nous puissions revenir ici le mardi, fort en bonne santé, pour te louer, pour te glorifier. Merci pour les chansons de Sion qui sont montées, Seigneur, vers ton trône de grâce et de miséricorde. Merci, Seigneur, pour une chorale disponible à chanter. Merci pour les instrumentalistes. Merci pour chaque frère. Merci pour chaque sœur. Merci pour les instruments que tu nous as donnés pour ta gloire. Prends soin de cela, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, pour cet outil aussi qui peut atteindre tes enfants partout où ils sont. Prends soin de nous, Seigneur, alors que nous voulons être gardés par toi. Que ta présence, oh Dieu, ne nous quitte jamais et que nous ne puissions jamais aussi quitter ta présence. Sois notre Dieu, sois notre roi, sois notre rocher de secours. Bénis ta parole dans nos cœurs et que chaque semence de la parole puisse produire le fruit de la repentance et que chaque semence de Dieu produise selon son espèce dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Viens pour moi.